Ok, c'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver. C'est le club de la presse qui prend donc son envol sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous sommes là tous les week-ends pour évoquer les grands sujets qui marquent l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Cette fois-ci, nous sommes très heureux de vous savoir, très nombreux également, derrière votre petit écran pour suivre le club de la presse qui, cet après-midi, a donc trois grands sujets qui sont sur la table et donc nos invités vont essayer d'éclairer notre lanterne. On va donc parler d'abord du fait que le 2 août prochain, Elections Cameroun, d'après les textes qui organisent l'élection au Cameroun, devra donc rendre publique la liste officielle des candidats appelés à compétir pour le double scrutin du 30 septembre prochain. Mais seulement à ce jour, les informations qui viennent d'Elections Cameroun au sujet de la distribution des cartes électorales inquiète, la simple raison étant que sur les près de 5 millions de cartes électorales qui ont été donc élaborées par cette structure, seulement un peu plus de 2 millions ont été effectivement retirées par leurs détenteurs à ce jour. Alors la question inquiète dans le landerneau politique au Cameroun au sujet donc de cette élection qui se tient exactement dans 2 mois. Qu'est-ce qui coince? Quel est le problème à Elections Cameroun où on entend des sons de cloche au sujet donc des divers entre l'élection, notamment le corps électoral, et aussi au niveau de la direction générale? Que se passe-t-il? Y a-t-il des questions d'argent qui divisent à Elections Cameroun? La question est donc sur le plateau du club de la presse de ce jour. On va également évoquer une autre affaire au Cameroun, l'affaire Bibi Ngota, j'allais dire, l'affaire qui est désormais celle d'Etundi Oyono, le directeur général du port autonome de Douala, qui était dans le box des accusés au tribunal de grande instance de Yaoundé. C'était hier. Il doit répondre des faits d'utilisation de faux et usage de faux dans l'affaire Bibi Ngota. Et dans l'opinion publique au Cameroun, on se pose des questions sur ce rebondissement. Pourquoi l'affaire revient-elle maintenant et pourquoi Etundi Oyono est-il dans le box des accusés? Les questions qui fusent donc de partout et dont on va essayer de poser à nos invités qui sont avec nous sur le plateau. Le troisième sujet qui est retenu au menu de cette édition du Club de la Presse touche à la lutte contre la corruption au Cameroun. On le sait, le rapport 2013 de Transparency International indique tout simplement que la corruption, malgré les efforts qui sont fournis par le gouvernement et la société civile, ne baisse pas la garde et serait même en nette augmentation. Pourquoi est-ce que cela est ainsi? La question, on va également la poser à nos invités qui sont avec nous sur le plateau au moment même où la CONAC ne brille pas particulièrement par l'exemplarité. Des questions et d'autres qu'on va donc essayer de poser sur le plateau du Club de la Presse, dont les invités sont déjà avec nous sur ce plateau. Et sans transition, je m'en vais tout de suite et maintenant me faire l'agréable devoir de vous mettre au contact de ceux qui vont animer cette édition du Club de la Presse. J'accueille donc tout d'abord Djama Joseph Marifis, qui est le directeur de publication d'Afrique Performance. Joseph Marie, bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Et le plaisir est toujours renouvelé de me retrouver parmi vous. Vous allez sortir un peu la voix pour qu'on vous écoute aisément à la maison. Alors avec vous, très rapidement, on va évoquer l'affaire Sodecoton. On le sait depuis la mise aux arrêts de Iya Mohamed, qui est donc l'ancien directeur général de cette structure et ancien président de la Fédération Camerounaise de football. Des voix s'élèvent au sujet de deux présidents du conseil d'administration. Il s'agit de deux gouverneurs, Eyenen Lom et Eyeya Zanga. Mais seulement, on indique, d'après ce qui est écrit dans la presse cette semaine, que la question divise le secrétaire général des services du président de la République et le ministre en charge de la justice. Vous êtes au courant de cette affaire? Nous suivons toutes les actualités, ce qui fait que nous pensons que les téléspectateurs seront un peu édifiés là-dessus aujourd'hui. Alors, sur la question, quel est votre point de vue? Vous pensez qu'il faut également arrêter Eyenen Lom et Eyeya Zanga qui ont été président du conseil d'administration de la Sodecoton? On ne peut pas faire d'un poids deux mesures. Lorsqu'on lance une machine, il faut pouvoir prendre tous ceux qui sont interpellés sur la chose. Si quelqu'un a fauté, que la justice en occupe. Ok, également invité à cette émission, lui c'est un habitué du club de la presse, le président Joseph Atangana Zanga, qui est avec nous cet après-midi. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, Monsieur Patrick, et à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes très proche, hein, des milieux sportifs, j'allais même dire des milieux footballistiques, en tant que vous êtes le président de la Confédération Confédération africaine. Africaine des supporters hein, de football. On sait que cette semaine, c'était lundi dernier, la FIFA, après avoir constaté la mise en place effective du comité de normalisation que dirige le professeur Joseph Onah, donc immédiatement levé la sanction, la suspension qui pesait sur le Cameroun. Est-ce que dans les milieux sportifs en général et footballistiques, ça a été un ouf de soulagement, cette nouvelle? Oui, quelque part, ça a été un ouf de soulagement, mais il faut quand même donner une lecture à cette nomination. Je pense que le comité de normalisation va maintenant dégager les aspects que le public a tellement attendus, c'est-à-dire les aspects de la normalisation, pas seulement l'arsenal juridique, mais le développement du football en général, parce que c'est ça l'une des préoccupations de la FIFA aujourd'hui, celle de réhabiliter le football dans son ensemble, avec les compartiments tels que le football jeune, le football féminin. Maintenant, revoir les personnes hein, qui doivent gérer la FECAFOOT et voir même comment d'ici 10 ans on peut retrouver l'image du Cameroun sur le plan national et même international en termes de football. Très rapidement avec vous pour rester dans le chapitre du football, on sait que Joseph Onah a pris cette semaine une décision, celle de créer un comité provisoire de gestion au niveau de la ligue professionnelle où la querelle commençait déjà à enfler au sujet de la fin du mandat de Pierre Semenge, qui a donc été reconduit immédiatement comme président de ce comité de gestion. Mais au niveau des ligues, de la ligue, hein, les présidents de clubs sont très fâchés. Ils voulaient des élections et ils disent qu'ils vont boycotter le championnat. Je pense que la fédération camerounaise ne peut avoir lieu que s'il y a des clubs. Maintenant que le comité de normalisation a pour objectif de normaliser, il doit déjà nettoyer la Ligue. Parce que la Ligue aujourd'hui, c'est ça qui fait la force du poumon du football national. Si la Ligue n'est pas opérationnelle, le football national ne peut pas être visible à travers ses nombreux fanatiques. Donc je pense que la décision du ministre va dans le sens de restructuration de la Ligue et de revoir comment trouver un consensus afin de redémarrer. Parce que je pense que si, avec toutes les querelles qui existaient dans cette ligue, entre le président Lasek et le président de la ligue, on ne pouvait pas évoluer dans cette logique. Il fallait déjà revoir un certain nombre de textes qui n'arrangent pas Présidents de club et voir dans quelle mesure mettre un plan d'action qui doit les amener à mutualiser leur club. Parce que le problème, c'est le problème des clubs qui refusent la mutation en société. Okay. Donc c'est ça le véritable problème. Donc si le ministre a mis ce comité... C'est le président du comité de normalisation, le professeur Joseph Onah. Oui, donc je pense qu'il a pris vraiment une bonne mesure. Oui. Ok, merci donc à vous Joseph Atangana Azanga d'être venu. François Bikoro est aussi sur ce plateau, c'est notre consultant en maison avec lui, tout en souhaitant la bienvenue, hein, François. On va évoquer une question lancinante hein, dans l'actualité au niveau de la sous-région. On parle de la Guinée équatoriale qui aurait maille à partir avec la production pétrolière. Qu'en est-il exactement? Non, en réalité, ce n'est pas une question de production pétrolière. Il s'agit de... C'est une question de distribution des produits pétroliers et dérivés qui ont été mis à la disposition de façon monopolistique à la société française Total Final Elf, comme vous connaissez très bien, qui est une multinationale dans le monde entier bien connue. Et là, l'État équato-guinéen, vous savez que la Guinée équatoriale n'est pas assez grande ni expansive, le nombre d'habitants n'est pas très élevé comme dans les autres États, a été surpris. Il y a cela quelques jours de constater qu'il y a eu des files indiennes devant les stations-service. Des gens avaient des galons, des bidons et tout cela. On s'est posé la question de savoir de quoi s'agit-il. C'est là que les responsables de la société Total ont estimé qu'il y avait une pénurie. Et le chef de l'État équato-guinéen s'est étonné que dans un pays où il y a visibilité, lisibilité de communication, là où vous avez une situation de monopole sur des produits pétroliers, dans un pays qui exploite, qui raffine, qui produit, qui distribue et qui vend à l'extérieur. C'est quand même assez curieux qu'on puisse constater un matin qu'il y a un problème de pénurie. Il a donc pris une position en estimant que trop, c'est un peu trop. En ce sens que, il y a cela quelques semaines, j'allais dire quelques mois, quelques jours, on a constaté qu'une certaine presse dite internationale, mais en réalité, une presse à la sorte de la communauté internationale, est même réduite à la communauté occidentale. A commencé à dire un certain nombre de choses sur le management
de la Guinée équatoriale, sur les avancées démocratiques de la Guinée équatoriale, sur les avancées socio-économiques de la Guinée équatoriale, sans qu'elle dise la vérité sur ce qui se passe effectivement là-bas. Il a donc estimé que si, malgré le monopole qu'on a, de fait qu'on a donné à la société totale, il ne peut même pas avertir les autorités établi en place pour leur dire peut-être dans 2 ou 3 jours il y aurait ceci ou cela, pour qu'on prenne des dispositions de souveraineté à condition qu'il n'y ait pas un soulèvement, une implosion sociale. Il a donc estimé que ce n'est pas tout à fait normal. Et les médias africains réunis autour du Conseil africain des médias ont donc demandé à nos membres établis en Guinée équatoriale de nous donner l'essentiel de ce qui se passe là-bas. À l'issue donc de cette enquête, on s'est rendu à l'évidence qu'en réalité, cela fait partie du consortium de petites pressions psychologiques, morales, de la manipulation de l'opinion, de l'intoxication des mentalités, dont s'en montre un certain nombre de suppôts du pouvoir néocolonial et colonial, dans l'expectative de faire plier un certain nombre de leaderships africains et introduire à travers la Banque mondiale et le FMI un certain nombre de multinationales sans coup férir dans les pans de souveraineté de la société africaine et équato-guinéenne. Je crois que depuis la sortie du président équato-guinéen, depuis la sortie du Conseil africain des médias, qui a interpellé le Quai d'Orsay, qui a interpellé le Conseil national, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a interpellé l'Union africaine pour qu'elle prenne position, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est comme ça que ça s'était passé en Tunisie, c'est comme ça que ça s'était passé en Libye, c'est comme ça que ça s'était passé en Guinée-Conakry, dans un certain nombre de pays où aujourd'hui la tension sociale est au summum. On a donc estimé que ce n'est pas bien. Il faut que la concurrence se mette en place de façon normale pour permettre à ce que les États africains puissent non pas se désolidariser de la communauté occidentale, mais à tout le moins qu'il y ait une concurrence loyale. On n'a pas besoin d'utiliser ce genre de moyens-là pour faire partir un chef d'État africain, pour faire partir un gouvernement. Ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est qu'on a eu peur que l'implosion sociale ne se mette en place en Guinée équatoriale et qu'on apprenne demain qu'il faut aller négocier dans des plateformes occidentales parce que les problèmes se sont posés. Heureusement, et c'est là que vous sentez la duplicité de la société totale, c'est qu'après la sortie musclée du président équato-guinéen qui a estimé que si on n'est pas content de gagner des bénéfices en Guinée équatoriale et d'investir pour le bien-être du peuple équato-guinéen, qu'on s'en aille. 2 secondes après, subitement, les produits pétroliers et dérivés dont on a dit qu'ils étaient en pleine pénurie sont sortis des casernes et la distribution a recommencé. Donc la situation a été normalisée en Guinée équatoriale. Je ne sais pas si elle a été normalisée, mais je crois que les choses ne seront plus comme avant. Parce qu'au-delà d'interpellation de la communauté internationale, nous avons interpellé les autorités équato-guinéennes afin qu'elles prennent des mesures pour que ce genre de situation n'arrive plus. Et nous avons pris l'exemple du Cameroun, où vous savez très bien que la distribution du pétrole n'a pas de monopole. Il faut que les Équato-Guinéens rentrent dans le circuit de distribution. Il faut que d'autres multinationales rentrent dans le circuit de distribution. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est que les sociétés occidentales n'avaient pas fait confiance à la Guinée équatoriale, qui n'avait rien à l'époque. On leur avait dit qu'ils ne peuvent vivre que de pétrole et de danse le soir lorsque les colons sont en train de boire et de manger. Subitement, les Américains sont venus dire que la Guinée équatoriale est assise sur la base pétrolifière la plus importante d'Afrique, sinon du monde. Et depuis ce jour-là, donc, la société occidentale veut donc rentrer dans les circuits et d'exploration, d'exploitation et de production. Ce qui n'est pas normal parce qu'ils n'avaient pas fait confiance avant, mais ce qui est possible si on utilise les canons et les circuits normaux en matière de coopération internationale et économique. Voilà, merci à François Bikoro, notre consultant maison à Afrique Média. Mesdames, Messieurs, c'est une émission qui n'aura pas ses rubriques habituelles compte tenu de quelques difficultés d'ordre technique, mais qu'à cela ne tienne, on va donc continuer d'accueillir dans quelques instants d'autres invités qui sont arrivés. J'annonce déjà Charles Teba Eyene, qui est écrivain et homme politique. Donc on va procéder à son introduction dans quelques instants. Le temps pour nous de vous rappeler les thèmes qui nous intéressent dans cette émission. On va donc parler de comment comprendre l'affaire Etundu Yono après l'affaire Bibi Ingota. C'est donc un retour en quelque sorte sur cette affaire qui a vu la mort en prison en 2011 d'un journaliste camerounais. Une affaire qui revient donc cette fois-ci avec dans le box des accusés l'actuel directeur général du port autonome de Douala et le
opinion ne comprend pas exactement ce qui se passe aujourd'hui pour que Etundi Oyono soit face à la justice. La question va donc être posée dans quelques instants seulement à nos invités qui sont déjà au grand complet. On passe comme ça un bonsoir à Jean-Baptiste Biaillé qui est aussi dans les parasalons. Charles Atebayene, c'est une première. Merci et bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Merci beaucoup. D'abord, je veux m'excuser auprès de vous et auprès des téléspectateurs. Nous étions à une émission, j'ai un livre qui vient de sortir et c'était le temps de l'annoncer. Donc c'est pour ça que j'arrive avec un peu de retard. Donc je m'excuse auprès de vous et auprès des téléspectateurs. Voilà, vous êtes donc tout excusé. Justement, j'ai sous la main cet ouvrage que vous venez de commettre, Crime rituel, loge, secte, pouvoir, drogue, alcool au Cameroun. Alors, c'est votre dernière parution. Essayez donc de nous faire aussi une présentation de cet ouvrage. Vous savez, moi, je passe le temps à écrire, à réfléchir sur notre pays qui a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, quand il y a beaucoup de problèmes, ça donne de l'inspiration. Et je pense que c'est mon 25e ouvrage. Cette fois, je parle des crimes rituels. Des loges, des sectes, des pouvoirs, des drogues et de l'alcool au Cameroun. Le sous-titre est très important, les réponses citoyennes et les armes du combat. Vous allez vous rendre compte que de décembre 2012 à janvier 2013, ici à Yaoundé, nous avons perdu près de 15 compatriotes. Ils ont été, ou elles ont été assassinés, on a enlevé les organes, etc., etc. C'est un phénomène extrêmement grave. C'est un phénomène nouveau. Première chose, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qui s'est passé. Il y a certes des commissions d'enquête qui ont été engagées, mais nous ne savons strictement rien de ce qui s'est passé à Mimboman. Or, il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Cela va permettre que les mêmes choses ne se produisent plus, parce que chaque fois qu'il y a un phénomène, prenez dans le domaine de la médecine l'épidémiologie. C'est-à-dire que quand il y a une maladie, à la fin, on doit pouvoir dire voilà comment faire pour l'éviter, voilà comment on la soigne, etc. Or, les crimes rituels sont arrivés, les gens sont morts, il y a eu un petit cirque là-bas où le ministre est allé organiser un culte écuménique où on donnait 150 000 francs aux familles, l'imposture. Donc, il faut dire ce qui s'est passé, il faut absolument dire, parce que une semaine ou deux semaines après les crimes de Mimboman, des Français sont allés se perdre au nord, on les a kidnappés du côté du Nigeria. Vous avez vu ce que le Cameroun a déployé comme argent, comme énergie, comme je sais pas quoi, comme si au Cameroun, les Camerounais ne sont pas importants ou sont moins importants que les Français. J'accuse jusqu'aux autorités traditionnelles. Parce qu'après ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment entendu les autorités traditionnelles, gardiens des traditions. On a rarement vu les leaders politiques s'émouvoir en disant qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Donc je voudrais qu'on rentre dans ce débat. Et je vais chuter parce qu'on est allé trop vite. Je crois que les conseillers du président lui ont dit, comme c'est les crimes rituels, c'est au plan interne, les Camerounais ne peuvent rien faire, donc on peut ne même pas en parler, c'est pas grave. Mais comme c'est les Français de l'autre côté avec les sept, il faut faire attention parce que c'est eux qui peuvent vous enlever du pouvoir. Voilà, voilà comment on a géré l'affaire. Donc au on s'occupe où, beaucoup plus des Français ou des gens de l'extérieur que de nos compatriotes. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Nous voulons rendre hommage à nos compatriotes. Nous voulons rendre hommage aux familles. Et je chute en disant que le lien avec l'alcool, les drogues et tout ce que vous voyez là. Et il y a retenu qu'en 2012, les Camerounais ont bu 600 millions de litres de bière. C'est l'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire la Sanaga, comme du début jusqu'à la fin. Et retenez également que cette année, le Cameroun est le premier pays consommateur des vins Bordeaux en Afrique. C'est des vins de qualité. Retenez également que cette année, le Cameroun est le premier pays consommateur de champagne. Voilà des palmarès bizarres qui arrivent au moment où on dit que la malnutrition est déjà très élevée au Cameroun. Où on vous dit que 17% et demi de jeunes Camerounais fument. Où on vous dit que les filles au Cameroun entrent en activité sexuelle à 16 ans, 60%.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sous le renouveau, il y a des problèmes de société. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président Biya, quand il arrive au pouvoir en 1982, n'a pas promis la mort, n'a pas promis le paranormal, n'a pas promis les crimes rituels aux Camerounais. Il nous a promis la rigueur, la moralisation et la justice sociale. Mais vous voyez les indices aujourd'hui. Quand on va juger le régime du président Biya, parce qu'on va le juger, on va se dire, c'est sous lui qu'on tuait les gens, c'est sous lui qu'on décapitait les gens, c'est sous lui qui avait la corruption, etc. Donc je pense, et ça c'est une lettre ouverte que je lui adresse dans ce livre, qu'il fasse tout pour que, un, il crée une commission, le genre tribunal spécial pour les crimes rituels. Ça va permettre de penser qu'on protège les hommes comme on protège l'argent. Je voudrais qu'il fasse tout pour que lui-même accélère les procédures d'enquête. Parce que si ce n'est pas ça, quand il ne sera plus au pouvoir, et il va arriver qu'il ne soit plus au pouvoir, son régime sera qualifié comme étant un régime sanguinaire, un régime où on a tué les gens, un régime de l'anthropophagie, un régime de la sorcellerie. Et ce n'est pas bien pour un chef d'État qui aura passé autant de temps que lui au pouvoir d'avoir un tel héritage. C'est pour ça que je mets sur pied, j'ai mis sur le marché ce livre pour qu'on débatte. C'est un débat camerouno-camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé à Mboma? Vous allez voir des photos. Il y a une cinquantaine de photos là-dedans vers la fin. D'accord, merci. Donc, et le livre, Charles, oui, une dernière chose. Le livre est disponible. Il est sorti hier. Il est disponible. On peut l'acheter physiquement à partir de lundi dans les librairies clés Saint-Paul et Peuple Noir à Yaoundé. Mais ça presse également dans la distribution. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat PhD en communication politique et enseignant et chercheur à Alestic. Donc, l'ouvrage sera disponible dès lundi prochain, comme vous l'avez suivi. Mesdames, messieurs, c'est donc le Club de la Presse. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun. On parle donc de cette affaire qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive dans le Landerno camerounais. On parle donc de cette désormais affaire Etundu Oyono. On savait que c'était l'affaire Bibi Ngota, du nom de ce journaliste qui a trouvé la mort dans des circonstances malheureuses en prison. Aujourd'hui, c'est Etundu Oyono qui est dans le box des accusés. Que se passe-t-il dans cette affaire? Pourquoi ce rebondissement? Quelle est la véritable raison pour laquelle Etundu Oyono est aujourd'hui devant les tribunaux camerounais? La question est donc sur la table. On va permettre à nos invités de pouvoir s'exprimer sur la question. Alors, l'affaire Etundu Oyono, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous étiez au tribunal, vous avez suivi ce qui a été dit? Je n'étais pas au tribunal hier pour cause de certaines raisons, parce que nos occupations en tant que jeteur de publication sont toujours très, 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 très enclins. Mais ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas une surprise pour un Camerounais averti ou bien pour mes confrères qui sont sur cette table. Nous savions tous que cette affaire allait refaire surface à partir du moment où M. Laurent Issa, en tant que secrétaire général de la présidence à l'époque, est revenu la dernière fois à l'Assemblée nationale et de manière délibérée, sans qu'on ne lui pose une question sur cette affaire-là, a estimé qu'il était sur une tribune qui lui permettait enfin de parler. Il a dit « Hier, je ne pouvais pas parler parce que j'étais dans une position où je ne pouvais pas le faire. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de dire ma part de vérité là-dessus. » Et devant tous les députés à l'Assemblée nationale et les journalistes que nous étions, moi personnellement, j'y étais, il est arrivé à dire quelque chose de grave. Il a dit « Je ne suis lié de près ou de loin à cette affaire car je ne connais pas la mort de Bibi Ngota, ni pourquoi est-ce qu'on l'a incarcéré. » Il a dit beaucoup de choses ce jour-là, et je crois que tout le monde est resté sur sa soif. Et à partir de ce moment-là, nous étions conscients qu'il y aurait quelque chose. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des choses que nous devons dire aujourd'hui, en tant que des fins limiers quand même dans le domaine. Nous nous sommes rendus compte que les informations qui ont filtré nous ont laissé entendre qu'à partir du moment où M. Laurent Issa a été nommé à la place de M. Amadou Ali, il a trouvé un certain nombre de choses qui lui ont permis de comprendre que M. Amadou Ali, semblerait-il, n'était pas très très juste et très très droit dans le traitement de l'opération Épervier. C'est ça qui a dû causer une sorte de ralentissement et, sur cette affaire-là. Et aujourd'hui, les galettes que nous avons sur l'affaire montrent à suffisance qu'il y a d'autres personnes
personnalités qui seront interpellées sur, sur cette affaire. Sur la même affaire. Bibingota, et parce que M. Etounji Oyono ne sera pas seul. Et aujourd'hui, je crois qu'il est sous la posture de pouvoir se défendre. Et si aujourd'hui, il comparait au tribunal, ça veut dire qu'il y a Anguille Souroche. Voilà, Joseph Atangana Zangana, la question qu'on se pose, hein, c'est surtout l'opportunité de cette affaire aujourd'hui. C'est vrai que Joseph Marie vient d'évoquer quelques aspects de la question. Pour vous, comment est-ce, quel regard on peut avoir par rapport à cette affaire qui fait beaucoup parler, il faut le dire? Oui, c'est comme l'affaire que mon frère Charles venait d'expliquer dans son livre, c'est-à-dire nous sommes dans une chaîne de manipulation, c'est-à-dire au Cameroun, tout ce qui est mauvais prend toujours de l'ampleur. C'est-à-dire on ne parvient pas toujours à trouver des solutions, mais on passe tout le temps à faire... Qu'est-ce qui est mauvais quand vous parlez l'affaire de Bibingota, l'affaire de Bibingota en tant que jeune qu'il a quand même connu, c'est pas, ça fait mal quand vous parlez de Bibingota. Et quand vous voyez les conditions dont Bibingota est parti, on n'a pas trouvé, on n'a pas donné des solutions, on n'a pas donné des résolutions pour ce problème. Cette affaire est restée pendante au tribunal, et aujourd'hui on n'a pas toujours, on ne connaît pas la vérité. Donc moi je dis, je ne voudrais pas entrer au fond du dossier parce que je laisse la justice piloter ce dossier, mais je pense qu'il faudra que la lumière soit faite parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans ce dossier. Donc à mon avis, je pense que il faudra, Etounji n'est pas seul dans ce dossier, il y a beaucoup de gens qui seront interpellés, comme disait mon frère, parce que chacun veut se dédouaner maintenant, comme disait Charles. On voit la chute. Donc c'est une bataille qui se joue. Maintenant, c'est un jeu très compliqué, c'est un jeu de couteau. Donc je pense que cette affaire, à la fin, on aura quand même un autre livre. Tu n'as pas délivré tous ces secrets. Un autre livre. Un autre livre de Charles sur cette affaire. Voilà, justement, François Bicoro, on a noté hier au tribunal de grande instance de Yaoundé qu'effectivement, Etounji Oyono était présent dans le box des accusés. Et l'accusation a même produit la liste de ses témoins, parce que bon, nous étions quand même là en tant que journalistes. On note quand même qu'il y a quelques acteurs de cette affaire Bibingota qui sont cités comme témoins dans l'affaire. C'est le cas notamment d'Aris Mitya, qui a fait la prison avec Bibingota. C'est le cas notamment aussi dans notre confrère qui était là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mécanisme? Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus compliqué que l'on ne le pensait, cette affaire? Je crois que le mieux est de bien situer la situation, de bien situer les faits. Il y a de cela quelques années, des journalistes d'une certaine presse au Cameroun, une presse dont personne ne reconnaissait l'existence ni le professionnalisme, parce qu'au Cameroun, dès lors que vous avez une position stratégique sur le plan de la communication, et des censeurs qui croient devoir dire que tel peut être journaliste, tel ne peut pas l'être. Donc voilà moi des bonhommes qui, pendant près de 10 ans, s'évertuent à dire qu'ils étaient journalistes, mais dont la confrérie ne reconnaissait pas le titre de journaliste. Et qui, au détour d'une affaire, subitement sont reconnus comme journalistes. Ça, c'est dingue. À l'issue des enquêtes qui ont été menées, il ressort que M. Nko, travaillant pour un journal paraissant à Douala, Bebela, qui a disparu aussi entre-temps, on ne sait pas pourquoi, est l'auteur d'un bout de papier qui révèle l'existence d'un arrangement à l'amiable concernant l'achat d'un bateau de plaisance pour les pétroliers arabes qui essaiment sur la côte de Guinée et dont une partie concerne le Cameroun. Et que la Société nationale des hydrocarbures avait été commis à cet effet pour acheter ce bateau de plaisance par rapport à notre partenariat avec un certain nombre de financiers qui devaient aller voir quels étaient leurs intérêts au large de la côte de Guinée en ce qui concerne le Cameroun. Et 3 noms de personnages y ressortent, notamment le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, Laurent Esso, qui à cet effet était PCAS qualité. Parce qu'au Cameroun, tous les PCA, tous les secrétaires généraux de la présidence de la République sont des présidents de conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, dont on ne rend compte qu'à la présidence de la République. C'est tout à fait normal. Il aurait donc, selon le bout de papier que M. Nko faisait distribuer à l'ensemble des personnalités et des rédactions, il aurait donc donné un ordre au directeur général, à l'administrateur directeur général de la SNH, Ador Moudiki Elane, qui par un concours de circonstances est de la même région que le ministre d'État, Laurent Esso. Donc, il lui aurait donné dans un ordre
de décaisser de l'argent afin que les personnalités qui avaient concouru à l'achat de l'avion puissent toucher les commissions, ce qui est encore normal. Et si le dossier est sorti, certainement que les commissions n'ont pas été touchées. Et parmi ces personnages, on y retrouve M. Antoine Parfait-Bikoro. On y retrouve M. Dayas Mounoumé. On y retrouve Doc Collins, qui est un spécialiste au Cameroun des questions très floues de marchandage et de tout et tout, et qui est impliqué dans les histoires de recherche de l'argent volé par un certain nombre de personnalités camerounaises. Et c'est là qu'on retrouve le nom de M. Amadou Ali, vice-premier ministre en charge de la justice à l'époque des faits. En réalité, cette histoire serait rentrée dans les tiroirs des questions de vol et de manipulation de conscience au Cameroun s'il n'y avait pas eu mort d'homme. Donc, il y a donc mort d'homme. Et je vais vous expliquer comment ça s'était passé. En réalité, le monsieur qui meurt, lui-même n'est ni de près ni de loin concerné par l'affaire dont il est question. Monsieur Bibi Ngota était un journaliste, un jeune homme qui ne cherchait qu'à trouver l'impitance quotidienne, comme tous les Camerounais qui vivent, qui coulent sous le coup de la misère au Cameroun. Et dans ce sens, il était dans ce qu'on appelle les rédacteurs de salon. Ça veut dire que quand vous avez un journal et un directeur de publication devant moi, et la maturité de notre directeur de publication, semble-t-il, n'ont pas le confort intellectuel de pouvoir écrire un certain nombre d'articles. Donc, il recrute donc dans la masse un certain nombre de diplômés d'enseignement supérieur qui cherchent leur vie. Et c'est dans le cas que M. Bibi Ngota, qui était aussi directeur de publication, mais qui n'avait pas les moyens de faire paraître son journal. Donc ce jour-là, M. Nkor rencontre M. Aris Minchamaka. Que j'ai un document là qui fait, ils font un protocole d'interview aux deux intéressés, c'est-à-dire au directeur général, à la ministre de la FCH et au ministre d'État, Laurent Esso, qui au Cameroun, tout le monde sait que c'est une carpe. Un monsieur qui ne parle pas, qui ne fait pas, vraiment, il n'est concentré que sur son travail. Donc ça fait qu'il n'y a pas de retour de réponse. Entre-temps, et c'est là que le personnage de monsieur l'ancien directeur de Etounou Younou, c'était la maïture, rentre en jeu. Monsieur Etounou Younou est réputé au Cameroun parmi les rares DG qui font confiance à la presse camerounaise, en ce sens que pratiquement toute la presse camerounaise a déjà eu une inscription publicitaire de monsieur Emmanuel Etounou Younou. Donc il s'avère donc que là d'attendre qu'il y ait des réponses à gauche et à droite, après des tours à la DGRE, qui est une sorte de société, d'institution chargée de la sécurité, de la recherche, des services de renseignement. Après des tours à la PJ, après des tours à un certain nombre d'endroits, on se rend à l'évidence que lorsque le journal de M. Mitchas Meka Harris, qui est le journal Le Devoir, sort en kiosque, après qu'il ait fait un certain nombre de temps sans sortir, parce que, je vous dis, au Cameroun, la presse privée a beaucoup de problèmes. A beaucoup de difficultés de financement. Donc, ceux qui savent interpréter un certain nombre de choses se rendent à l'évidence que en quatrième de couverture, il y a la publicité, la réclame de la société Maïture, dont M. Etounou Younou en est le directeur général. Certainement, 3 ans après, trouve donc qu'il doit avoir un lien entre la publicité qui est derrière dans ce même journal et le problème posé contre des personnalités de la République. Ce qui est évident, c'est que le lieu de l'arrêt existe. Par un concours de circonstances, M. Dayas Mounoumé, qui était chargé de la régulation des ports, est devenu directeur général du port autonome de Douala. Cette coïncidence voudrait qu'il remplaça M. Emmanuel Etounou Younou. L'autre coïncidence voudrait, toujours en relation avec les ports de notre pays, voudrait que celui qui était DAF à la SNH, M. Antoine Parfait-Bikoro, donc le décaisseur de l'argent du rôle de relais, se retrouve directeur général adjoint, curieusement chargé des finances du chantier naval et industriel du Cameroun, qui est une des rares sociétés au Cameroun qui semble-t-il marcher un peu. Voilà donc un peu ce migmac, cet imbroglio. Entre-temps, la justice vide son délibéré sur cette affaire. Parce qu'au moment où je vous parle, M. Hervé Nkor, qui était l'auteur principal de l'affaire et qui est allé en fuite, parce que les autres ne s'estimaient pas être des auteurs de l'affaire, sont restés au Cameroun attendre bonnement que la justice suive son cours. Donc il a eu, je crois, 15 ans d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt à l'audience. Lui, semble-t-il qu'il est dans un pays africain. Je ne peux pas le dire ici parce que les services secrets risquent le prendre. Voilà. Entre-temps, on dédouane M. Aris Robert Minkitamaka, on dédouane M. Sabouam Serge, mais comme on ne pouvait plus rien faire pour celui qui est mort, le débat quitte donc celui du Rio Del Rey et se retrouve dans un débat d'émotion
Parce que dans la confrérie, c'est souvent gênant qu'un journaliste meure sur le champ de bataille dans un pays où on le protège. Donc, c'était l'occasion idoine pour la confrérie, tant internationale que nationale, de pouvoir soulever les problèmes de la presse camerounaise. Mmh. Et entre-temps, donc, il y a eu accalmie au niveau de l'opinion, jusqu'à ce qu'un remaniement ministériel fasse de M. Laurent Esso, qui était hier la victime, qui ne pouvait pas s'exprimer, devienne donc ministre en charge des questions de la justice. On peut encore, pour les gens qui savent interpréter à tort et à travers, croire ou à croire que c'est parce qu'il est devenu ministre de la justice que la justice reprend le truc. Mais entre-temps, M. Otunuyolo lui-même était témoin à charge des fameux journalistes à l'époque. Le vide a été fait. Maintenant, il revient maintenant, et c'est ce qui peut créer la confusion dans les esprits, comme accusé dans une affaire dont lui-même était accusateur à l'époque parce qu'il s'expliquait. Je crois que la justice cherche à savoir pourquoi la publicité est collée à un article de presse. Auquel cas, il faut repartir au Cameroun. Lisez la presse camerounaise. Je viens de lire le journal La TV, il est tout à l'heure là. Il a pris à partie un certain nombre de nos confrères dans des positions dithyrambiques par rapport à un ouvrage qui est une activité intellectuelle. Mais s'il arrive donc dans cet ouvrage où on a pris à partie Charles Atteveyne, qui est l'un des meilleurs crus de notre pays, et qu'on trouve la publicité de Afrique Média, Atteveyne est aussi porté à croire que c'est Afrique Média qui a sponsorisé les journaux qui n'ont pas cru comprendre sa position par rapport au crime rituel au Cameroun. Donc ça va dans tous les sens, mais retenons qu'au Cameroun, nous sommes dans les fins de règne. Je crois que c'est tout à fait normal que certains pensent que ça va un peu dans tous les sens. Alors voilà, Charles, est-ce qu'avec cette analyse-là, on peut dire qu'on est dans un procès kafkaïen? C'est une histoire difficile à comprendre. Pas aussi difficile que ça. Pour moi, ma discipline universitaire, discipline que j'enseigne à l'université, c'est la sémiotique. Si vous établissez le schéma actantiel et les acteurs et le contexte et les faits, vous allez comprendre. J'ai bien aimé sa chute. Les fins de règne. Il ne faut pas oublier que tous les actes qui sont posés au Cameroun aujourd'hui tiennent compte de l'alternance. Beaucoup de gens voient Biya parti ou partant et veulent se positionner. Donc nous sommes là dans les luttes de positionnement. En Chine, à un moment donné, on a appelé cette période la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire que maintenant, chacun sort son épée et veut. Première chose. Deuxième chose, il y a trois choses qui vont engloutir le Cameroun. Première chose, la gérontocratie. C'est-à-dire que le Cameroun ressemble à un champ de bataille où il y a eu la guerre, mais ce sont les jeunes qui sont morts et les vieux sont restés. Donc, ils sont au pouvoir, ils sont obligés d'être là. Oui, oui, il y a eu la peste, l'épidémie. Tous les jeunes sont morts, les vieux sont restés. Vous voyez, à partir du président, 80 ans, son adjoint, 90 ans. Bref, il n'y a pas de jeunes. Ça, c'est la première chose. Cette gérontocratie exacerbe et les jeunes n'en ont plus besoin. Clair et net. Deuxième chose qui va engloutir le Cameroun, il y a les replis identitaires. Je vous assure que, au moment où je vous parle, j'ai le mémorandum des Massa du Nord, j'ai le mémorandum des Pygmées de l'Holodorf, j'ai le mémorandum des gens de Yavassi, j'ai le mémorandum. Bref, chacun revendique son identité. Ce que le RDPC vient d'organiser là, une mascarade à un niveau absolu. C'est-à-dire qu'on a créé la mafia au sein du parti. Nous, on croyait qu'on était dans un parti politique. On ne savait pas qu'on était dans la mafia. C'est-à-dire que dans une histoire où il y a des combinaisons mafieuses, où vous avez comme l'impression que c'est une affaire de loge de secte. Donc, ce repli identitaire fait aujourd'hui que chacun se replie dans la communauté. Tout le travail qu'Aïdjo a fait, tout le travail que Paul Biya a fait dans le cadre de l'unité nationale, de l'intégration nationale, c'est tombé. C'est tombé. Quand vous écoutez le discours, quand vous lisez la presse, etc., vous vous rendez compte que les gens ne parlent que de leur village. Personne ne parle du Cameroun. Troisième chose qui va engloutir le Cameroun, eh bien, vous allez vous rendre compte que, en dehors de la gérontocratie, en dehors également Du repli identitaire, il y a également les problématiques des sectes. C'est-à-dire que l'appartenance aux loges est ce qui permet au Cameroun d'avoir une place sous le soleil. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt un conflit, des affrontements entre ceux qui sont dans les loges, les fratères qui n'aident que leurs amis, leurs frères, et ceux qui ne sont pas dans les loges, qui estiment que la République
est aujourd'hui dans un couloir dangereux. Ce n'est plus la chose publique, c'est devenu une affaire de fratère pour gagner un marché. Si vous êtes journaliste, pour gagner même l'insertion. Si vous êtes avocat, pour avoir une affaire, c'est ça. Donc, quand vous êtes donc dans un environnement comme cela, vous expliquez mieux cette affaire. Moi, j'étais l'ami de Bibi Ngota. Quand Bibi Ngota meurt, suivez. Quand Bibi Ngota meurt, une semaine avant, comme j'habite au Fou, c'est-à-dire à la banlieue, Bibi Ngota habitait du côté de Kondengi, monté là. Donc quand je venais, 5 fois sur 7, je le portais. À un moment donné, il savait à quelle heure je venais, je le portais et je l'amenais en ville. Une semaine avant, quand on les arrête, il me dit, mon frère, j'ai un problème. Il m'explique un peu le problème et les menaces qu'il reçoit et les coups de téléphone anonymes, etc. Bon, ça fait que quand on arrête Bibi Ngota et les autres, la première curiosité, c'est qu'on les amène du côté de la DGRE. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? On sait que la DGRE s'occupe des renseignements, de la sécurité à un niveau important. Mais des bandits qu'on arrête, des gens, des faux documents qu'on arrête, comme on dit. Qui plus est des journalistes. Des journalistes identifiables et identifiés. Vous les amenez à la DGRE, pourquoi? Et là-bas, j'ai rencontré des gens à la DGRE. Parce que vous savez que les Camerounais font semblant de ne pas parler en public, mais ils parlent beaucoup en privé. J'ai un capitaine qui travaille à la DGRE qui m'a dit comment on a torturé ces enfants là-bas. Ils ont mangé les caca quelquefois. Foi de témoins pour arracher des aveux là-bas. On ne posait qu'une seule question. Deuxième chose, on a même dit plus, au-delà de qui est derrière vous, donnez-nous le nom d'une personnalité. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça les fins de règne, vous allez vous rendre compte que, eh bien, il y a des conflits. Les problèmes du Cameroun aujourd'hui, je le répète, parce que je suis Camerounais. Moi, je n'ai pas un village en dehors du Cameroun. Je n'ai pas une maison hors du Cameroun. Je n'ai que le Cameroun. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est le problème de l'élite. L'élite politique camerounaise, l'élite administrative est dans le marécage. Personne ne s'entend plus avec personne. C'est-à-dire que chaque élite combat l'autre. Notre gouvernement n'a plus ni de solidarité, ni de cohésion, ni rien du tout. Chacun peut poignarder l'autre. C'est la nuit des longs couteaux. Et quelle est donc la psychologie du petit peuple à ce moment? L'insécurité. Nous nous sentons en insécurité. Parce que quand les grands qui sont supposés nous protéger se livrent ce genre de bataille, ce genre de trahison, etc., ils n'ont plus le temps de s'occuper du peuple. Ils n'ont plus le temps de développer le pays. Nous sommes exactement dans cette situation. Donc, il y a un problème entre le lobby sawa qui pense que le Cameroun s'est passé, les Allemands arrivent à Douala en 1884, à un moment donné, c'est Douala Mangabel qui a donné, eux aussi veulent déjà le pouvoir. Il faut le savoir. Et que dans les lobbies sawa, ils se disent que c'est eux qui doivent contrôler, par exemple, le port de Douala. Quand on nomme un nom sawa à Douala au port, si on vous nomme maintenant, vous n'allez pas vous en sortir. Si on nomme un Bamileke, moi j'ai causé avec Siam Siwe. C'est pas facile parce que les Douala pensent que c'est leur port. Donc la nomination de Emmanuel Etunde Oyono au port de Douala était déjà un problème pour les Sawa. Maintenant le retour. Deuxième chose, on fait tout. On a dit au président que Emmanuel Etunde Oyono était déjà fou à Douala. Ce monsieur, tout le temps qu'il a passé à Douala, n'a pas dormi. On venait l'agresser dans sa maison. Il restait à l'hôtel Sawa tout le temps qu'il a passé à Douala. Vous pouvez demander aux témoins. On a failli, on a attenté à sa vie pour dire on ne te veut pas ici. Donc les lobbies Sawa se sont organisés pour gérer le port. Parce que quand on va vous expliquer les micmacs qu'il y a dans la gestion du port de Douala, vous allez comprendre pourquoi on ne sera jamais émergent. Et donc, quand on enlève donc Etunde Oyono, chassé presque, pour lui donner la maïture, on envoie un incompétent notoire, Dayas Mounoumé. Ce monsieur ne vaut absolument rien du tout. Parce qu'en 4 ans, il a coulé le port. J'étais à l'hôtel Sawa
Lorsque on le débarquait du port, sa propre femme a été incapable de venir lui donner le bouquet de fleurs, tellement la cour de la honte était pleine. C'est-à-dire, je n'ai jamais. C'est-à-dire, je vous renvoie au discours qu'un Kili avait prononcé. Oui. Vous n'avez jamais vu une histoire comme ça. Donc, tout le travail que Tunoyoro avait fait, Dayas, Lobisawa, a amené cette affaire par terre. Et on rappelle Etunoyono, c'est le chef de l'État quand même, Paul Biya, qui a des jokers, qui connaît dans ce gouvernement qui vaut quoi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui part, on l'enlève et il repart, c'est un sapeur pompier. Difficile. Ça veut dire qu'il a de la valeur. Permettez-moi d'aller chuter en disant que voilà. Cette affaire de Bibi Ngota, c'est fini de le prendre. Temps de l'histoire est là. Le temps de la justice est là. Le temps de la mémoire est là. On saura toute la vérité qu'on ne connaît pas encore sur cette affaire. Mais il y a un problème de bateau hôtel. Voilà. Pourquoi on passe à côté de ce problème qui est vrai? Monsieur Laurent Esso, est-ce qu'il y a un problème de bateau hôtel ou pas? Dites aux Camerounais. Ça a coûté combien? Où est ce bateau? Est-ce que les 16 milliards qu'on met, voilà le vrai problème qui amène la mort de Bibi Ngota? Parce que il allait mettre le pied dans quelque chose qui dérange. Mais imaginez que quelqu'un a un faux papier qui ne m'engage pas, dans lequel je ne me reconnais pas. Ça va créer la mort des gens. C'est quand même... Je dis donc que vous vous amusez avec ça. Quand Bibi Ngota est mort, j'ai écrit à TV Yeni. J'ai écrit en disant que Bibi Ngota doit être enterré au cimetière de Dedo. Ouais. J'ai écrit. Parce que pour moi, Laurent Esso, il est pour quelque chose. Pour trois raisons. Un, c'est lui qui était le secrétaire général à la présidence. Donc, responsable de tous les renseignements. Deux, pourquoi on amène les gens qui ont un faux document à la DGRE alors qu'il y a la PJ, il y a. Donc, il y avait des pressions et ces pressions ne pouvaient être que données par quelqu'un qui est à un poste important. Il ne faut pas. Dans ce pays, on a peur de parler de la grande élite qui est un véritable problème parce qu'on fait peur à tout le monde. Okay. La peur, pourquoi on veut faire peur aux gens? Charles, et moi, je chuter. Chute. Permettez-moi, permettez-moi de dire aux Camerounais de ne pas avoir peur. Permettez-moi de dire à ceux qui pensent aujourd'hui que les dictatures, permettez-moi de dire à ceux qui font peur à d'autres Camerounais qu'ils sont mal barrés. Parce qu'il y aura un temps où ils n'auront plus ces postes qu'ils occupent là. Qu'ils n'auront plus à manipuler et la presse, et la police et la gendarmerie, et ils vont faire face aux Camerounais. Les Camerounais, nous les attendons en face comme ça, et on va discuter. Voilà ce que j'avais à dire. Et que cette affaire, on a mené tout le comment quelqu'un était témoin au départ, devient victime maintenant, c'est compliqué. Et il faut dire également dans les déclarations que j'ai à faire ici, que le lobby Sawa, Laurent Esso en tête, veulent la tête de Tunoyono. Ok. Clair et net. Donc c'est une cabale. Bien sûr. Ok, voilà. Joseph Marie voulait prendre la parole pour réagir rapidement. Donc, bon, voilà. Joseph Atanganazanga, quand on suit tout ça, est-ce qu'on peut se dire que la justice est libre et peut bien faire son travail dans le cadre de cette affaire? La justice reste dans l'esprit de la concession. C'est-à-dire que, comme disait certaines personnes sur le plateau, c'est toujours la manipulation. La justice n'est pas libre au Cameroun. Nous n'avons pas une justice indépendante. Parce que si vraiment nous avons une justice qui pense qu'il doit nous donner une juridiction attendue par les citoyens, on doit plus se retrouver un certain nombre d'états. L'affaire de Bibi Ngota aujourd'hui est un dossier qui va mener beaucoup de choses. Je vous ai dit ça au départ. Comme disait Charles, certains ont essayé de décrypter. Mais il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Je veux même dire à la limite que c'est un coup d'état de la presse qui se prépare, si je me limite à ce niveau. Parce l'affaire des insertions. Oui, oui, cette affaire, il y a beaucoup. La presse qui est visée. Oui, oui, c'est-à-dire que la presse, actuellement même, quand vous, comme disait Charles, quand vous soulevez un sujet d'élite, à la limite même, vous êtes filé. Bien sûr. On achète les gens, moi je vous dis, on achète les gens qui vont vous filer, vous ne savez pas pourquoi, et qui travaillent pour des personnalités. Donc, nous qui n'avons pas des armes, nous qui n'avons pas un certain nombre de moyens pour se protéger, vraiment, on commence à ne plus rien comprendre. Et c'est ça qui va mener le pays à d'autres choses, parce que les gens vont dire, bon, comme on n'est plus protégé, chacun va prendre sa route. Donc, il faut faire très attention.
Le pays, le président a lancé l'esprit de la démocratie. Il faut que tout le monde s'exprime. L'heure est à la liberté d'expression. Je ne veux pas dire aujourd'hui qu'on s'attend encore à quoi que ce soit. Non, nous sommes déjà sacrifiés, nous, cette génération. Mais il est question maintenant de dire un certain nombre de choses pour préparer l'avenir de nos enfants. Parce que c'est ça ce qu'il s'agit maintenant. Cette élite aujourd'hui qui a détruit complètement, vous ne pouvez pas aujourd'hui énumérer deux personnalités dans ce pays qui font une image de crédibilité. Moi, je cause constamment avec les confrères sur le plan international. Quand vous parlez de certaines personnalités, ils vous disent non, 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 arrêtez ça. Mmh. Arrêtez ça, venez parler d'un autre projet de développement. Ne nous parlez pas de ce type de personnalités parce qu'ils ne font pas l'honneur de ce pays. Donc, je pense que il faut des jeunes courageux, des jeunes qui doivent même être soutenus, même pas le président de la République, parce que le problème, c'est la tête du président que tous ces gens-là visent. Et maintenant, nous qui avons le courage de dénoncer, ces gens maintenant se mettent à nous martyriser, théoriser. Donc, il faut utiliser... Oui. Si vous me donnez une minute, parce que ce que mon, en une seconde, ce que mon frère dit est tellement pertinent que je vais vous raconter trois actes contre moi, parce que j'ai pris un certain nombre de positions de citoyens par rapport au problème du pays. J'étais sélectionné pour porter la médaille de officier de l'ordre du mérite camerounais. J'ai les documents. Vous pouvez aller demander à Peter Mafani Moussongue. Vous comprenez? Mais quand j'ai parlé de l'affaire de Bibi Ngota en disant qu'on aille enterrer Bibi Ngota au cimetière de Deido, parce que il faut, le lien c'est que Laurent est sauvé Deido, eh bien, il a enlevé mon nom. Il a dit, tu ne peux pas porter la médaille. Un, témoin Pascal Messangayamdin, qui est mon frère et mon ami, Laurent est sauvé, le reçoit, il dit, Ateba ne va pas porter une quelconque médaille. C'est pour rejoindre les représailles. Deuxième chose, on veut mettre sur pied la CONAC et on envoie des gens me faire l'enquête de moralité parce que au départ, je devais faire partie des gens de la CONAC. La commissaire qui est venue de la DGRE s'appelle Bekole Monique. Elle est venue chez moi en fou pour l'enquête de moralité avec un officier, j'oublie son nom, et un autre inspecteur de police, ils sont arrivés chez moi, nous venons là parce qu'on va mettre sur pied la CONAP, comme tu travailles beaucoup sur l'éthique, etc., on pense que c'est toi et tu es jeune. Paf, ils sont partis. Plus tard, la même affaire de Bibi Ngota et le même Laurent Esso, qui est secrétaire général à la présidence, donc il est, tout passe par lui. Il dit, pas d'Ateba Yéné. On a pris Yamba Magloire. Troisième chose, Monsieur Laurent Esso, un ministre des Relations Extérieures, il m'appelle au téléphone. Je n'avais jamais eu d'entretien, ni physique, ni quoi que ce soit avec lui. J'arrive dans son bureau. Je trouve qu'à partir de l'entrée, tout le monde m'attend. Et puis, quand j'arrive dans son bureau, il me dit, Monsieur Ateba Yéné, je ne vous connais pas, mais je vous entends à la radio. Vous êtes très brillant. Vous êtes trop intelligent. Je voudrais travailler avec vous. Je voudrais... Ce monsieur a parlé pendant 2 heures de temps. Je ne savais pas ce qu'il voulait me dire. Il m'a dit, reviens demain. Je suis revenu demain à 16h. Il a commencé encore à parler. C'était ésotérique. Je ne m'en sortais pas. Après, comme quelqu'un qui avait raté un examen, il m'a dit, voici 100 000. Il m'a donné 100 000 et je suis parti. Et puis les affaires de Bibi Ngota sont arrivées. Donc, je sais que dans ce pays, il m'a envoyé d'ailleurs le dire, il a envoyé me dire ça, que je ne serai rien dans ce pays tant qu'il est là. Je m'en fous. Et je sais que le pays, la République, ça n'appartient pas aux individus. Quand les Paul Biya ne seront plus au pouvoir demain, Laurent Esso ne pourra rien faire. Il est fort et puissant aujourd'hui parce qu'il bénéficie du pouvoir de Paul Biya, des positions. Ça, ces représailles, je m'en fous de ça. Bon. Je vis parce que j'écris, je suis fonctionnaire, j'en suis à l'université. On ne va pas mettre tout le monde dans la poche. On ne va pas museler tout le monde. Il y aura dans ce pays des journalistes et des libres penseurs pour dire, parce que nous travaillons pour la grande République et non pour les caprices des gens. C'est un club très animé. Alors, une dernière chose, parce qu'on va sortir de ce sujet-là. Je voulais chuter en disant que... Chuter rapidement. Joseph-Marie va également prendre la parole. Une dernière chose. J'avais l'habitude d'initier des marches pour le soutien au président. Mais les gens m'ont mis dans un circuit d'intimidation de haut niveau.
J'ai dit, bon, comme c'est votre république, on vous laisse faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même pour actionner, pour le soutien au président, nous tous, on a même mène. On a peur parce que les gars utilisent les voies et moyens. Comme il dit Charles, quelqu'un vous dit, je vous reçois dans 10 minutes. Il se met à vous raconter des histoires que vous ne maîtrisez pas. Vous vous embarquez. Parfois même, il vous reçoit, il dit, je vous reçois à 23 heures. Comment un être humain, vous êtes un responsable, il prévoit à vous recevoir à un non-membre du gouvernement. Il est parce que la loi camerounaise... Oui. Dit qu'on travaille jusqu'à 17h, il dit qu'il voilà. Doit vous recevoir avec okay, toi. Donc, c'est pour dire que c'est... Oui. Je dirais simplement que c'est l'occasion pour nous de rappeler certains types de faits. Parce qu'on nous a fait croire que Bibi Ngota, Harris Minchai et Unzo Weiter, excusez-moi, n'étaient pas des journalistes. Et j'ai vu des aînés de la presse acheter, se placer dans les médias de la République. Je ne vais pas citer le nom du média principal, la télévision principale camerounaise. Dire que Harris Minchai n'est pas journaliste, bien sûr, ils ont fait les sticks, mais je ne les vois pas appliquer la déontologie journalistique, même dans le média officiel que nous avons, qui respecte la déontologie. Que lorsque vous devez interviewer, par exemple, un membre du gouvernement sur une affaire politique comme nous sommes aujourd'hui dans les législatives et les municipales, quand vous prenez un membre du gouvernement, vous devez prendre un membre de l'opposition. On ne le voit pas. Mais ils sont simplement forts pour critiquer les autres. Oui. C'est l'occasion pour nous de féliciter aujourd'hui M. Tundu Younou. Parce que tout DG du PAD qu'il est, ce monsieur a accepté avec beaucoup d'humilité de venir s'asseoir au parquet comme accusé. C'est un signe pour dire que même les ministres doivent comparaître. Ils ne doivent pas attendre partir. Cela veut dire en d'autres termes que M. Laurent Esso ne peut pas continuer à nous faire avaler des couleuvres selon lesquelles j'étais à une position stratégique où je ne pouvais pas parler. Non! Il pouvait parler. Est-ce que d'habitude il parle? Et il doit parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous en arrivons à nous poser certains types de questions. Où est passé le Rio Del Rey? On nous a laissé entendre hier que le Rio Del Rey n'existait pas. Plus tard, nous nous rendons à l'évidence que le Rio Del Rey existe bel et bien. Mais aujourd'hui, où se trouve le Rio Del Rey? Pourquoi voulait-on acheter ce bateau, cet hôtel bateau? Ou ce bateau hôtel? Combien a-t-il coûté? Où sont passées les commissions? Qui les ont touchées? Qui a touché les commissions? Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que dans le protocole d'interview de M. Harris Minchai et de Bibi Ngota, il y avait un problème de commission. Il y avait une certaine dame dont on nous avait révélé à l'époque que c'est elle qui avait vendu la mèche parce que les commissions à elle proposées, elle n'est pas arrivée à les toucher déjà qu'elle est boudée parce que ce n'était pas le premier montant des commissions qu'on lui avait proposé. Quand l'affaire avait marché, on a baissé ses commissions. On a dit après qu'on ne te donne rien. Paraît-il, on l'avait boudée. Elle a donc décidé de balancer les trucs au niveau de la presse. Et vous savez comment nous bossons. C'est toujours les mécontents qui nous font arriver sur les plats. Et aujourd'hui, on nous donne quand même le montant du Rio Del Rey qui est 2 milliards 342 millions. Ça, c'est la commission autant pour moi. Imaginez un peu une affaire rocambolesque comme celle-là, aussi importante au niveau des commissions. Ça veut dire que le Rio Del Rey était une affaire tellement importante que tout cela, j'ai dit tout à l'heure quand vous m'avez interpellé, que cette affaire, il y a encore anguille sous roche. Beaucoup et je chose. Pense simplement que quand quelqu'un comme Laurent et Tundu Younou, autant pour moi, comme vous l'avez dit, est l'un des rares qui a l'habitude de donner de la publicité aux organes de presse. Les ministères ont des cellules de communication et un budget pour la communication. Tous les dirigeants d'entreprises parapubliques au Cameroun ont des budgets pour la communication. Tous ces gens s'enrichissent derrière les budgets de la communication où ils ne donnent pas les moyens à la communication. Or, M. Etundu Ono a été l'un des rares à donner, et il nous le disait clairement, que mes chers amis, quand je vous donne la publicité, n'écrivez pas contre ceux qui sont proches aussi de moi. Il nous l'a dit. Moi, je le dis, il nous l'a dit. Pourquoi? Parce que ce genre de choses... On fait des liens. On l'appelait. Alors, une dernière chose, François Bicoro, pour sortir, parce qu'on doit parler de la lutte contre la corruption. Je sais que les journalistes sont émotionnels chaque fois qu'il s'agit... Ils se sentent attaqués dans l'affaire. ...de leurs confrères. Nous avons fait un débat ici, il y a cela quelques jours, sur l'argent évaporé dans les services de la présidence de la République pour des pseudo-communications à l'extérieur. Ouais. Le président de la République, je vous l'annonce donc au Cameroun, a répondu par un décret qui consacre désormais que tous les actes publics puissent passer indifféremment tant dans la presse privée que dans la presse publique. C'est pour cela que nous sommes gênés qu'on veuille condamner un gestionnaire de crédit parce qu'il a donné une publicité
à la presse privée. Je crois que ça nous semble un peu gênant. Que, comme l'a dit Atibé, nous sommes dans un pays où ça va devant, ça va derrière, on ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que la justice n'a aucun prophétie. Il faut aider la justice à comprendre mécanismes de la presse dans tous les pays au monde. Vous avez beau me donner une publicité, vous n'êtes pas comptable de ma ligne éditoriale. La deuxième chose, c'est que vous me donnez la publicité parce que vous y avez un intérêt pour la structure que vous voulez. Maintenant, convoquons le bout de papier. Donc, je suis le deuxième Camerounais à avoir vu ce bout de papier 6 mois avant que l'affaire n'éclate. Monsieur Aris Mintiamka, parce que j'ai quand même une position dans les réseaux de la presse, tant au Cameroun que dans le monde entier, m'a rencontré lors de l'inauguration du palais des sports des Chinois au Cameroun. Et il m'a appelé, grand frère, je voudrais te montrer un bout de papier. Il me le montre à distance, il me dit, va dire à ton directeur que je tiens un truc qui va ébranler la République. Je lui dis, mais un truc qui va ébranler la République, comment? Il fait comme ça et il remet dans la poche. Quelques temps après, on se retrouve quelque part avec justement mon directeur et on remarque, on lui dit, tel que la rédaction administrative est faite, ce qui est dans le document est peut-être vrai, mais la manière dont le document est écrit semble un peu bizarre. En ce sens que les polices de caractère de la fonction publique camerounaise, tout le monde les connaît dans les machines, et d'habitude dans la rédaction administrative, on commence par le titre du ministre avant de mettre son grade. Monsieur Laurent, étant ministre d'État, généralement on dit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République à monsieur tel. Et puis il y a les phrases de courtoisie, bien vouloir et tout cela, c'est là que j'ai compris que bien vouloir, quand vous êtes la hiérarchie, vous donnez une instruction, quand vous êtes au même niveau, vous demandez à l'autre de vous servir. Donc tout ce truc-là n'a pas été fait. Mais l'enquête a continué sur le Rio Del Rey, qui, je vous l'annonce, effectivement existe, parce que dans les trucs internationaux concernant les questions de pétrole, il y a les riches, des milliardaires en dollars. C'est eux qui tiennent le pétrole dans le monde entier. Généralement, quand ils vont surveiller là où se trouvent leurs intérêts, vous avez deux choses à faire. Soit vous allez louer un bateau qui a toutes les commodités qui sied au vécu quotidien d'un pacha arabe, d'un pacha, je ne sais pas quoi là, même les gens qui sont dans le pétrole, soit vous en achetez. L'État du Cameroun était donc fatigué de toujours aller louer. C'est dans ce sens qu'il a estimé qu'il peut acheter un bateau pour que les choses avancent. Et dans ce genre de truc là, le bateau de plaisance, ce n'est pas un truc que tu vas dans le marché puisque ça ne se fabrique pas comme ça. Il y a donc des gens qui vont à gauche et à droite. C'est une transaction commerciale normale qui demande qu'il y ait des bénéfices, qu'il y ait des rétrocommissions. Et je vous dis qu'il y a un personnage clé qui a reconnu avoir pris ces rétrocommissions, monsieur Doc Collins. Donc ça veut dire qu'il y a eu des rétrocommissions. Il y a eu effectivement des rétrocommissions. Donc ce n'est pas. Il semble donc que d'autres dans le circuit n'ont pas eu de rétrocommissions. Ils ont donc mis les journalistes au courant de l'affaire et il peut arriver que par le bénéfice du doute, le journaliste qui n'est pas un spécialiste de la science administrative, qui n'a pas fait des hautes études et tout cela, peut tomber dans le piège. La question est celle de savoir, il y a même deux questions. Le premier procès qui a condamné les journalistes, pourquoi on n'a pas évacué toutes les zones d'ombre de l'affaire à cette époque-là? Deuxième chose, au moment où ça a atterri aujourd'hui, la justice est libre de poursuivre qui il veut. Quel est ce remue-ménage où M. Sabouan Serge, accusé d'hier, devient accusateur d'aujourd'hui, 3 ans après? M. Etundu Yono, dans sa position de directeur qu'on a cité comme étant celui qui a donné la publicité, est venu expliquer à la justice, il y a cela quelques années, les mécanismes de prise de trucs publicitaires. Aujourd'hui, il est au banc des accusés comme celui qui aurait financé le truc. On dit complicité. Ce qui suppose qu'en réalité, il devrait avoir un auteur principal. Je crois que ce sera un peu difficile parce que si l'auteur principal n'est pas là, on ne comprendra pas pourquoi l'accuser. Mais je sais que la justice camerounaise, comme l'ensemble des institutions de la République, a décidé de faire son travail. Je convoque ici le cadre sénatorial où on a quand même vu la justice camerounaise jouer son rôle. Il ne nous appartient pas de remettre en cause le travail de la justice. Mais il y a des zones d'hommes parce qu'il y a quand même eu mort d'hommes, ainsi de suite. Les Camerounais ne veulent pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour des personnages induits
Les Camerounais ont maintenant, puisqu'ils ont déjà condamné, ils ont déjà condamné les journalistes, ils veulent maintenant savoir combien a coûté le Rio de l'Arrêt, combien chacun a touché de commission. Comme ils veulent savoir pourquoi l'opération Épervier a été bloquée à un moment, quels sont les micmacs que les uns et les autres allaient faire pour gruger les gens qui étaient concernés par l'opération Épervier, pourquoi la première liste n'est plus la bonne liste, pourquoi c'est la deuxième liste, ainsi de suite. Autant et c'est de là questions. Que je dis, on se retrouve dans les guerres de leadership que convoquent les fins de règne dans tous les pays au monde, parce que, comme l'a dit Charles Atébéine, chacun croyait en 2011 que M. Biya ne devait plus se représenter. La logique de 2008 qui a voulu qu'on lève le verrou de mandat présidentiel ad vitam aeternam a surpris plus d'un dans le sérail, pas hors du sérail. Les gens avaient amassé parce qu'ils savaient qu'il leur faut soit l'argent pour faire la campagne, à défaut de campagne. Comme Biya a bousillé quatre générations de Camerounais, les quarantenaires, les cinquantenaires, les soixantenaires, et tout ça, jusqu'à 90 ans, il y a des gens qui ne peuvent plus attendre deux secondes de plus le jour où Biya va partir, soit par la volonté de Dieu, soit par les urnes. Et voilà. Ceux-là ne comprennent pas que ils ont essayé 2008, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le vieux monde, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le Sarkozy est parti avant d'arriver au Cameroun. Ils ont essayé, aujourd'hui, maintenant, ils sont allés jusqu'à tripatuer le code électoral, ça n'a pas marché. Ils ont tripatué à l'intérieur du RDPC, comme le disait, ça n'a pas marché. Ils se disent, au lieu que les Camerounais aient une vision sur le processus électoral qui avance et qui va régler les problèmes des Camerounais, ils font donc la technique qui voudrait que la fumée devienne le feu. Ils envoient l'opinion vers une autre excavation qui certainement va nous perdre du temps pour rien. Mais okay. Nous disons, nous journalistes, que ça nous gêne beaucoup parce que nous avons milité pour un financement de la presse camerounaise qui a joué seul son rôle dans l'affaire Bakassi pendant 17 ans sans financement. Et nous apprenons que des gens sont allés prendre des commissions à Bakassi. On a laissé. Maintenant que le président de la République, le pauvre, est à l'écoute des journalistes, a donc décidé que le financement sera global. Je vous mets au défi, après l'affaire Bibingouta, s'il y aura encore un DG qui va donner une publicité, une insertion publicitaire à la presse privée, si lui-même n'est pas directeur de publication de ce journal. Voilà, Charles, juste un mot, hein, parce qu'on a une vingtaine de messages. Hein, juste un mot pour dire deux ou trois choses. C'est le crépuscule des crapules. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pillé la fortune du Cameroun, tous ceux qui ont volé les biens de l'État vont faire face au peuple. La justice même, elle est là, mais c'est le peuple qui va régler les comptes aux fossoyeurs de la République. Il faut être convaincu de ce que je vous dis. Moi, je suis sur le terrain. Et je vous dis qu'un travail extraordinaire se fait par près de 2000 Camerounais, magistrats, journalistes, étudiants, etc. On fait quoi? On essaye un peu d'identifier les familles des gens qui ont pillé le pays. Et ces gens-là seront exclus de la gestion du Cameroun avec leurs enfants jusqu'à la deuxième génération, comme en Libye. Ok. Ou comme... Qu'ils attendent ça. Deuxième chose, nous faisons un travail énormément citoyen. Des équipes de volontaires sont sur le marché. C'est-à-dire que nous invitons d'ailleurs chaque Camerounais à identifier la grande maison qui est à côté de sa maison pour dire un peu, pour voir un peu celui qui vient là, etc. Parce qu'on va rendre public tout ça. Comme les gens ne veulent pas déclarer leurs biens de façon normale, comme demande la Constitution, maintenant ils vont justifier. Parce que ce travail-là va rendre public tous les biens que les gens ont. 5 immeubles à Douala, 2 immeubles à Garoua, machin, il n'y aura pas de problème. On va juste leur demander de nous dire comment ils ont fait pour amasser ça. Et je chute avec cette note d'espoir en disant que nous travaillons pour la grande République. Le travail que la presse a fait, les problèmes de l'homosexualité, on s'est attaqué au pauvre journal, l'anecdote à mon frère aîné. Il y a l'homosexualité au Cameroun où il n'y en a pas. Il y en a. Il y a une semaine, on a tué un homosexuel. Le ministre de la Communication, Issa Tchirouma Bakary, a d'ailleurs dit à l'opinion nationale internationale qu'au Cameroun, les homosexuels marchent en toute liberté. C'est-à-dire que un scandale que personne ne peut tolérer.
puisque les lois du Cameroun interdisent l'homosexualité. Okay. Donc, comme les dirigeants camerounais, le problème, je dis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, s'il y a un procès à faire au Cameroun entre les dirigeants et le peuple, les dirigeants auront des comptes à rendre. Parce que le peuple camerounais a fait ce qu'aucun autre peuple du monde a fait. Pour lutter contre la crise, on dit serrer les ceintures. Les gens ont serré les ceintures. Les Camerounais ont accepté des salaires de 28 000. Les Camerounais ont déjà tout fait. Mais aucun développement visible. Rien ne s'améliore. Au contraire, l'élite vole, pille, etc. Et okay. Au jour d'aujourd'hui, Charles, on va, mon jeune frère, il faut chuter. Au jour d'aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est le problème de son élite. C'est l'élite qui a tout fossoyé. C'est l'élite qui vole. C'est l'élite qui salit l'image du Cameroun. Et nous soutenons le président Biya. Moi, je le soutiens. Okay. À ma manière. Parce que le complot qui se passe, c'est pour monter le peuple contre le président. Et ce que nous devons faire, c'est d'attirer l'attention. C'est vrai qu'on reproche au président de ne pas sanctionner. On reproche au président, mais je dis au peuple camerounais que c'est le moment où jamais nous devons soutenir notre président pour que les gens autour de lui qui ont fait des calculs, qui font des complots, n'arrivent pas à avoir raison de lui. Parce que si c'est bandit, c'est truand. Oh là là, permettez-moi de parler. Oui. Si quand tu voles, quand tu pilles, tu es un bandit, oui. Tu crois qu'on doit dire ça seulement du sauveteur et pas d'un ministre qui prend la fortune publique? Donc quand tous ces bandits qui entourent le président, qui veulent le tuer et qui donnent l'impression qu'ils le soutiennent, quand ils seront traqués et le président va les traquer avec l'appui du peuple et on va mettre le Cameroun sous les rails. On ne peut pas continuer avec ce modèle des mafieux. Un modèle où il faut bousiller tout le monde. Un modèle où chacun soutient sa famille. Quand Amadou Ali était ministre de la Justice, permettez qu'on parle du Cameroun. Bon, très rapidement, Charles. Quand Amadou était ministre de la Justice dans ce pays, on n'arrêtait pas les Aoussa. C'est-à-dire qu'il y a. Il faut le savoir. Nous écrivons l'histoire du Cameroun au quotidien. Quand Amadou Ali est là, tout le gars, DAG de la SIC, il est porté parti. Il y a au moins 3 ou 4 gars qui sont partis. C'est la main, porté disparu. Aujourd'hui, M. Laurent Esso est là. Mais tu crois que Dias Mounoumé doit être dehors? Avec ce que moi j'ai lu, que Robert Ntili a écrit, avec le pillage que ce monsieur a fait au port, pourquoi il est dehors? Laurent Esso le protège. D'accord. Bon, on va très rapidement lire quelques messages. Hein. Salut, je suis Dick Mataga. Le Cameroun est géré par des non-camerounais. Ils ont enterré la méritocratie, hein, qu'ils soient sûrs ou de près. Bon, ça se termine mal. Un autre message. Je suis d'accord avec M. Atebe Yené dans ses analyses et je joins ma parole à la sienne pour dire que pour dire au président Biya qu'il doit se défaire des exécuteurs de compatriotes comme Esso Laurent avant la fin de son mandat. Sinon, celui-ci sera nul. Hein. C'est un autre message qu'on a reçu. Bonjour à mon grand frère Charles. Il fut une fois... Oh là là, il y a des téléspectateurs qui essaient d'appeler en même temps. Ça nous empêche, Charles. Il fut une fois, M. Samuel Lebois avait dit, les Camerounais demanderont au Cameroun ce qu'ils ont fait du Cameroun. Bien sûr. Allez en avant et que Dieu vous protège. C'est Simon depuis Douala qui envoie ce message. M. Atebe Yené, ne pense-t-il pas que son discours alarmiste et attaquatoire est de nature à ternir l'image de la notion de liberté d'expression? Je crois que... J'ai rien à lui dire. Voilà. Donc, comment pouvez-vous inviter des hommes qui viennent parler d'eux-mêmes que de parler du sujet du jour, Charles Tanda, depuis Yaoundé? Je pense que nous parlons bien du sujet qui est sur la table et que... Vous venez de prendre... on va lire... pourquoi Charles a-t-il pris les 100 000 et pour
Et pourrait-il revenir le lendemain? Pourquoi il est revenu? Parlant de votre rendez-vous, rendez-vous avec Lorenzo, c'est fait une idée de la personne. C'est assez compliqué de lire tous ces messages-là. Atéba fait tout pour que Madame Jules Doré Ndongo ne soit pas maire à Bipindi. C'est Samy qui envoie ce message. Il faut dire à Samy que Jules Doré Ndongo est déjà ministre. Et il faut que si que sa femme soit maire à Bipindi, et les autres alors. Ils vont faire c'est comment? Ça le problème. François, je suis très content de M. Atéba. Nous sommes derrière vous. C'est Jules Patrice de Douala qui envoie également ce message. Le Cameroun ne coulera pas, que le régime prenne fin le plus tôt possible. C'est ce que pense Bahia qui envoie ce message. Salut à tous. Ce qui se passe au Cameroun est la faute du président Biya, que Atébé ait créé son parti politique et il a tout pour être président. On vous souhaite être président. C'est Pascal depuis Douala qui envoie également. Voilà, bonjour à tout le monde au plateau. Je crois que si tous les Camerounais s'accordaient avec M. Atébé Yéné, ce serait bel et bien l'unité nationale sans frontières, car ce monsieur dit beaucoup de vérité. Je salue son courage et son amour pour la justice. Merci, c'est Adrien qui dit qu'il est un jeune bachelier depuis Douala. Félicitations. On va lire un dernier peut-être. Bonjour tout le monde, le plateau, je crois qu'on l'a déjà lu celui-là. Un dernier pour finir, Charles Bravo. Bon, c'est tout ce qui est écrit dans ce message-là. Donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, l'obé. Il pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de donner les vies à Dieu pour qu'il nous sauve de cette situation qui nous guette. Bon. Je suis un jeune étudiant et s'il vous plaît, je voudrais avoir le contact de Charles Atébé Yéné pour faire partie du club éthique. C'est Mekina qui envoie ce message. Je pense qu'après l'émission, on pourra peut-être vous donner le numéro de Charles, s'il le permet. Pas de problème. Voilà, donc on va se charger de le faire. Contactez-nous après l'émission. Quand viendra le temps du chantier naval, M. Atébé Yéné? Donc c'est une question qui vous est posé. On rappelle aux téléspectateurs, ça sert à rien de vouloir nous appeler, on ne prend pas les appels aujourd'hui. Envoyez vos messages, ils seront lus sur le plateau. Que la justice s'intéresse aux commissions versées aux partis et non nous distraire. C'est ce que pense Ngambi Pierre, qui pense que ce procès est plutôt une distraction. Esso veut juste régler les comptes à Etundu Oyono. C'est ce que pense Alain et il ne réussira pas. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Parce j'avais que, une question. Oui, on m'avait posé une question. Oui, le chantier. Non, le chantier naval. Écoutez, comme le Cameroun fonctionne sur le modèle de la mafia, je voudrais d'abord dire une ou deux choses à un auditeur qui a dit: pourquoi j'ai pris les 100 000 que Laurent Esso m'a donné? Parce que c'est l'argent de l'État du Cameroun. Il m'a invité une fois, une deuxième fois. Est-ce qu'il me paye le taxi pour aller là-bas? Il m'a donné 100 000, j'ai pris. C'est normal. Et je vais vous dire que dans nos lois, chaque autorité, le premier ministre, les ministres, les DG, ont ce qu'on appelle les fonds de souveraineté. Un ministre ne peut pas vous recevoir et ne doit pas vous payer le taxi. Vous comprenez? En France, c'est 1 milliard. Le premier ministre, si moi j'ai la chance de rencontrer le premier ministre français, il va me donner au moins 10 millions. Ce n'est ni la corruption ni le détournement. Voilà, il y a un téléspectateur qui pense que vous jouez double jeu en demandant de soutenir Paul Biya parce que c'est lui qui est à l'origine. Vous voulez donc qu'on donne ça à Laurent Esso? Ok. Qui va nous permettre de gérer l'alternance? Il n'y a que Biya qui a construit tous ces monstres-là. Il faut qu'il les détruise lui-même afin de remettre le Cameroun sur les rails. Voilà, Quelle que soit la personne à qui on confie le Cameroun aujourd'hui, il va se casser la gueule. Donc le président Biya a l'obligation historique, d'abord pour sa propre sécurité et pour nos sécurités, de liquider toute cette bureaucratie. Et quand je l'ai dit, je dis à celui qui a parlé de façon légère là que je suis un bourgeois, mes livres m'ont déjà donné plus d'un milliard de francs. Donc un ministre qui me donne 100 000 francs, ce n'est ni mon niveau, ni. Je pèse beaucoup d'argent. Les livres que j'écris, c'est pour ça que je suis libre.
Je ne dépends pas de quelqu'un. Je n'attends rien de quelqu'un. Donc, je voudrais que vous le sachiez, parce qu'on a souvent comme l'impression que les gens qui parlent, les gens qui dénoncent, le font parce qu'ils ont faim. Moi, attends, je n'ai plus faim. Ok, voilà, on va donc s'arrêter là. On souhaite tout simplement que cette affaire puisse connaître un dénouement heureux, que la justice fasse son travail, et rien que son travail. Qu'elle ne soit pas manipulée. Même que l'affaire a été renvoyée au 2 août prochain. Et le ministre aurait même dû d'abord démissionner. Que la défense produise également la liste de ses témoins pour entrer au fond des débats. Bon, on va quitter cette affaire et tout nous donnons pour parler très rapidement. Il nous reste très peu de temps. On a deux sujets. Chacun va répondre peut-être en 5 secondes. La lutte contre la corruption. Cameroun Tribune a titré que ce n'est pas une fatalité au Cameroun. Pourtant, ce rapport de Transparency International indique que malgré tous les efforts qui sont fournis jusque-là par les pouvoirs publics, le mal ne cesse de grandir. Qu'est-ce qui peut expliquer que la corruption ne baisse pas la garde au Cameroun? Très rapidement, on va prendre juste l'avis de chacun et on va parler aussi des législatives et municipales avec les 4 électeurs qui n'arrivent pas à trouver preneur. Je pense que la lutte contre la corruption ne peut pas évoluer avec la CONAC seule. Il faut multiplier davantage d'autres organisations. Il faut impliquer beaucoup d'acteurs dans cette lutte contre la corruption. Mais il n'y en a pas encore assez? Non, ce n'est que... C'est un fléau, c'est un cancer social. Et il faut mettre en place des éléments forts pour combattre cette corruption. La CONAC joue son rôle, mais il faut aussi d'autres structures qui doivent accompagner la CONAC dans son élan. Mais je pense que, donnons-nous du temps, les mentalités commencent un peu à venir petit à petit, mais il faut beaucoup de travail encore. Ok, beaucoup de travail. Alors, Joseph Marie, sur la question. Je pense que le problème est très grave. Parler de la corruption me gêne beaucoup parce que les Camerounais ont pris l'habitude de parler d'utiliser certaines expressions. Les expressions de lutte contre la corruption, lutte contre la pauvreté, c'est des expressions essentiellement nocives. Mais en réalité, il faudrait dire que l'État devrait amener le peuple camerounais à se réconcilier vers lui-même pour que nous puissions avancer en accédant à la fierté et à la dignité. Et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus au Hilton Hotel. Et je pense que ceux qui étaient là ce jour-là ont bien compris ce que je leur proposais en réalité. Parce que la corruption au Cameroun est systémique. Vous comprenez? Et la base de la corruption, c'est le mensonge. Le mensonge au Cameroun est essentiellement étatique. Charles parlait de beaucoup de choses tout à l'heure, et parce que cette corruption-là, ce mensonge est institutionnalisé à partir des salaires qui ne représentent rien. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais au marché, aucun Camerounais aujourd'hui qui a une famille de 2 enfants ne peut pas faire un marché avec moins de 5 000 francs. Ce n'est pas possible. Or, les salaires sont fixés à quel taux? Quel est le niveau du SMIC? Le SMIC est un mensonge. À partir de ce moment-là, tout le monde est mis comme ça dans l'engrenage de la corruption, avec les dépannages, avec le carburant, avec ceci, cela, et on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faudrait que... C'est pas une fatalité. Voilà. Il faudrait que le peuple camerounais se réconcilie avec lui-même, qu'on accède au principe d'éthique, de fierté et de dignité par certains types de mécanismes, en développant beaucoup de choses. L'agriculture aujourd'hui, okay, on doit pouvoir proposer d'accord, exactement des choses qui nous permettent d'arriver là, par l'agriculture, par la pisciculture, et que les Camerounais accèdent à 1 kg du riz à 100 francs ou à 125 francs. À 1 kg de poisson élevé au Cameroun, peut-être à 300 francs. Et avec les salaires actuels, le peuple camerounais peut s'en sortir. Il faut noter que dans ce que j'ai déjà eu à préparer, nous avons les capacités physiques, humaines, intellectuelles, matérielles de pouvoir y arriver. D'accord. Je vais noter que le déficit aujourd'hui en matière de produits manufacturés de première nécessité, tels que le riz, nous sommes à 303% de déficit. Voilà. Par rapport à cela, à 188% pour le poisson. On gère le temps là, on s'excuse, on pourra peut-être revenir dans les prochaines éditions sur cette question de la lutte contre la corruption. Alors François Bicoro, avec vous et Charles, on va parler rapidement des législatives. Elections Cameroun a des problèmes pour que les électeurs aillent retirer leurs cartes sur plus de 5 millions de cartes qui avaient été établies à la date du 22 juillet. Seuls un peu plus de 2 millions ont été récupérés par leur propriétaire. Alors, que se passe-t-il? Le problème, c'est à quel niveau, selon vous? Quand vous êtes dans un pays où les institutions chargées de rendre les Camerounais heureux ne s'entendent pas sur le principe, quand vous êtes dans un pays où, pendant qu'on demande aux gens d'aller
sur d'aller retirer leurs cartes. C'est pourquoi ils doivent aller retirer les cartes. On ne trouve pas leur fondement. Vous avez des arrondissements entiers où une seule famille a pris tous les conseillers municipaux. C'est ça. Vous avez des départements entiers où une seule tribu a pris tous les sénateurs et tous les députés. Ici, ils sont minoritaires au Cameroun. Vous voulez que la majorité prenne les cartes pour aller voter qui? Les familles. Ils vont aller voter qui? Tout a été chamboulé. Les Camerounais ont demandé les cartes électorales pour qu'il y ait une transparence, une lisibilité et qu'ils se reconnaissent en des gens qu'ils vont choisir. Et ça a un lien avec la corruption. Parce que la corruption n'est pas seulement une corruption matérielle et financière. Elle est morale. Lorsque vous êtes frustré, vous avez tendance à croire qu'on vous a corrompu, que vous le vouliez ou pas. Donc le jour où les Camerounais auront confiance au processus électoral, le jour où les acteurs ne seront pas parachutés, on va avoir un corps électoral qui va aller massivement. Si les Camerounais avaient bien choisi les futurs candidats à l'élection municipale et législative, ils seraient allés massivement défendre le choix qu'ils ont fait à la base. Et en défendant le choix qu'ils ont fait à la base, ils iront chercher les cartes électorales. De deux, je n'ai jamais compris pourquoi les institutions civiles ou se disant autonomes et indépendantes ont toujours les comportements de l'administration camerounaise. Pourquoi l'ECAM attend les gens sur place? Et l'ECAM se comporte comme les administrations publiques. Vous voulez payer votre ticket de courant ou d'électricité, on vous demande de vous aligner alors que vous venez donner de l'argent à l'État. Vous voulez, l'étudiant veut payer les 50 000 francs de ce truc, on lui demande de s'aligner notamment pour venir payer. C'est vous qui avez besoin de crédibiliser vos élections, utilisez les acteurs sociaux, les associations, les chefs traditionnels, les mouvements de jeunes et tout ça là, pour que les cartes électorales soient distribuées de porte à porte, de maison en maison. Vous demandez aux gens qui n'ont aucun intérêt de payer le taxi pour venir chercher une carte électorale qu'ils ont cherché pendant 3 mois sans voir. À ce niveau-là, on perd du temps pour rien. Contentons-nous du peu qui est déjà allé chercher ces cartes électorales. Nous aurons les élus que dont le Cameroun a besoin et continuons à rassurer les Camerounais sur tous les pans de la société. Parce que le conseiller municipal et le député viendront gérer la cité de corruption. Tant que vous ne réglez pas les problèmes périphériques au processus électoral, vous n'aurez pas des gens qui vont retirer leur carte électorale et vous n'aurez que vos yeux. Les Camerounais sont arrivés à un niveau où même la carte d'identité qu'on a donnée gratuitement se trouve encore dans les commissariats, puisqu'ils peuvent se balader dans la République sans avoir besoin de carte nationale d'identité, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et je dis un dernier mot sur la lutte contre la corruption, si vous le permettez. Tant qu'on n'explique pas comment on s'est enrichi, on ne peut pas expliquer pourquoi on est corrompu. Commençons par lutter contre l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, tout ce que vous voulez. Un monsieur ne peut pas construire 4 hôtels dans une capitale où personne ne vit dans un hôtel. On ne lui demande pas comment il a fait pour le faire. Par contre, ceux qui le voient le faire vont chercher les moyens pour en faire de même. On ne va pas, à la fin, aller demander à quelqu'un dont on a vu évoluer dans la corruption, ainsi de suite. Troisième chose, je suis contre lui. Vraiment, c'est les multiples institutions de lutte contre la corruption qui ont amené la corruption à grandir. Un pays qui a un ministère des marchés publics et une direction générale des marchés publics, c'est bien pour la corruption qui doit grandir. Ok, Charles. Ok, j'ai sur les deux sujets en très peu de temps. Beaucoup de choses à dire. Oui, en très peu de temps. Il nous reste 2 minutes. Et c'est toujours bon quand c'est court. Il nous reste 2 minutes. François, je suis particulièrement content de tes analyses aujourd'hui. Mais retenez que le Cameroun est bâti sur le modèle de la corruption. C'est-à-dire que si vous réglez le problème de la corruption au Cameroun, vous aurez une génération qui va fuir. Essayez un peu de vous intéresser au CV des gens. Vous allez voir les gymnastiques qu'il y a là. Il était à l'école primaire. Les licences de 5 ans, là, il avait 3 ans. Je sais pas quoi. C'est-à-dire que le parcours de nos dirigeants n'est pas clair. Quand le président parle de l'inertie, c'est d'abord parce qu'à la base, il y a l'incompétence. Et les gens se cachent donc dans des attitudes et des postures. Lui ne parle pas. Parce que quand on sait qu'on ne vaut rien, on développe d'autres attitudes. Artifice. On fait semblant d'être arrogant, hautain, important, etc. Parce qu'on ne peut pas discuter. Et
également, les gens se sont enrichis. Moi, je suis fonctionnaire de catégorie A2. Je suis presque à l'indice 1000. C'est-à-dire que je suis au sommet. Très peu de Camerounais sont où je suis, dans la fonction publique. Je gagne à peine 250 000. Comment les gens qui gagnent 50 000, 100 000, 200 000, 25 000, eux, ils font ce que moi, je n'arrive pas à faire. Si je n'écrivais pas mes livres, je serais un mendiant. Parce qu'on ne peut pas vivre au Cameroun avec 250 000. C'est ça la corruption. Au-delà de cette corruption-là, la corruption est entretenue par l'élite. L'élite administrative et l'élite politique. À travers le clientélisme. Il faut une cour. On nomme les gens en fonction de... etc. Et il faut ajouter les loges et les sectes. C'est-à-dire que les amis PD, les amis francs-maçons, etc., ils ont la priorité. C'est une forme de corruption. Il faut également ajouter la pauvreté. La pauvreté est un instrument de domination. C'est-à-dire que le niveau que les Camerounais ont aujourd'hui est un niveau que les Camerounais ne méritent pas. Le président Paul Biya peut prendre un décret demain pour tripler les salaires des Camerounais et il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas. Parce qu'il faut maintenir les Camerounais dans la dépendance, dans la pauvreté. Je suis parmi les Camerounais qui discutent souvent avec le FMI depuis 8 ans. Quand le FMI vient là, et puis la partie camerounaise pour justifier et défendre le Cameroun. Cette année, j'ai demandé que je ne veux plus faire partie de ça parce que ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire que vous allez là-bas, vous parlez toute une journée et puis même pas... Il y a les jus et les biscuits. Moi, je suis là-bas. Le jour où j'ai posé la question de savoir comment les gens du FMI qui viennent ici sont en mission majeure et nous, on mange les biscuits, vous ne pouvez même pas trouver 25 000 ou 50 000. Ils disent non, il ne faut pas qu'on vous corrompe. Donc, vous voyez comment les Camerounais sont. Bon, alors, je dis... Pour chuter, Charles. Cette pauvreté qu'on entretient, il faut sortir les Camerounais de la pauvreté. En même temps, vous entendez que quelqu'un a 25 000, le SMIC c'est 28 200, mais quelqu'un a détourné des milliards. Les commissions, pour gagner un milliard, vous vous imaginez, c'est-à-dire tu as fait rencontrer deux personnes. Et parce que tu as fait ça, nous sommes dans le Rio del Rey. Comme tu as fait que Bikoro rencontre mon autre frère Atana, Bikoro a un milliard. Vous vous imaginez, c'est ça la corruption. Et la dernière chose, il faut décomplexer les Camerounais. Il faut amener les Camerounais à comprendre que l'esprit de la dépendance et l'esprit de la soumission sont des esprits de la corruption. Personne ne parle à personne. Tout le monde a la face baissée comme ça parce qu'après, il va demander de l'argent, des taxis, etc. L'arme alimentaire qu'on a utilisée pour les gens, je vous dis ça en tant que journaliste parce qu'on vous utilise beaucoup dans ce sens. C'est-à-dire que pour faire de votre métier un noble métier, travaillez pour que vous puissiez honnêtement gagner vos vies. Atébé, il ne parle fort. Parce qu'après, il ne va pas m'arriver d'aller demander de l'argent à X ou à Y. J'écris mes livres, je les vends et ça me permet, avec ma famille, d'être un peu au-delà de la mendicité et de la pauvreté. J'invite chaque jeune et chaque Camerounais à avoir le même esprit, que ceux qui sont dans la moto travaillent comme il faut, que ceux qui sont au marché central travaillent comme il faut. Parce que le prix de la liberté, c'est le prix... du fait que la liberté s'obtient du fait que tu ne demandes rien à personne. Parce que c'est en allant demander de l'argent, demander je ne sais pas quoi, qu'on vous tient. Et les rendez-vous de minuit, c'est qu'on va te donner au marché et puis on te sodomise. Et donc il faut refuser ça. Et parmi les éléments, nous prodiguons un certain nombre de conseils ici. Nous demandons aux jeunes à qui on veut imposer l'homosexualité ou les loges, etc. Nous demandons aux jeunes, nous leur demandons d'utiliser les nouvelles technologies, les téléphones, les iPhones, etc. pour filmer. Si quelqu'un t'invite dans une situation, manipule ton téléphone, tu filmes. Si quelqu'un te tient un langage bizarre, enregistre. C'est ça qu'on a réussi à faire. La fille qui a fait suspendre un professeur d'université, c'est une fille avec qui nous travaillons. Elle arrive dans le bureau du professeur, le professeur lui dit, moi je veux coucher avec toi, tu as trop les poils aux pieds, j'aime bien tes fesses, moi aussi je dois toucher à tes fesses. La fille avait compris que, la fille lui dit, hey, moi je suis mariée,
le professeur lui dit, ça fait quoi? Ton mari me dépasse à quoi? Est-ce que son truc n'est pas comme mon truc? Bref, la fille avait tout enregistré. Elle nous a remis la cassette. Quand on a mis ça à Magic FM, à Satellite FM, c'était un scandale. Et aujourd'hui, ce monsieur est sanctionné. Donc, jeune fille, jeune garçon, ouais, utilisez les nouvelles technologies, etc., pour traquer et pour dénoncer. Et j'invite également les gens de l'armée, les caporaux, les machins, fâchez-vous. Au besoin, tirez sur les pieds de vos militaires, patrons, qui veulent vous imposer la loge pour augmenter le grade ou je ne sais pas quoi. Je demande à la fonction publique, je demande aux jeunes de dire non par tous les moyens à ceux qui veulent leur imposer des comportements anormaux pour les dominer, pour les entraîner dans les sectes. Ce n'est que comme ça qu'un peuple se libère. Ok, Charles, on vous a compris. Merci donc à tous les quatre d'être venus. Je rappelle tout simplement que le livre de Charles Atebayene parle donc de toutes ces questions. C'est pour ça d'ailleurs que ces analyses sont assez pointues. Alors, on va s'en sortir. Hein. Finalement, on va prendre une dernière position et on va se séparer sur les questions qui ont été abordées sur le plateau. Oui, justement, je voulais revenir sur ce que Charles a dit tout à l'heure, parce que nous avons un élément là sûrement qu'on va avoir l'occasion de visionner. Parce que parlant de la corruption, comme vous disiez tout à l'heure, le chef de l'État ne doit pas encore laisser Elecam promulguer la liste des législatives et des municipales. Il faut retoiletter cette liste parce qu'il y a beaucoup de bandits. Parce que c'est le mot qu'il faut pouvoir utiliser. Il y a beaucoup de bandits qui, comme vous avez dit aujourd'hui, ont construit une sorte de nomenclature familiale et chacun voudrait comme ça s'imposer. Aujourd'hui, les investisseurs sont du RDPC, parce que, excusez-moi de parler du RDPC, je n'en suis pas membre, mais je ne suis qu'un journaliste qui fait dans l'investigation. Nous avons pu constater sur le terrain que c'est une investiture censitaire, comme c'était à l'époque avec le suffrage censitaire. Vous avez de l'argent, vous passez, vous n'avez pas de l'argent, on vous laisse sur le carreau. Aujourd'hui, on a vu en Bankolo, je ne vais pas citer peut-être les noms, on peut bien citer Joseph Omba qui est le maire là-bas. Aujourd'hui, dans les listes, de la liste qui a été retenue en Bankomo, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et les mamans sont sorties dans les rues, montrant les Kabangondo en disant nous allons marcher jusqu'à Itoudi. Et l'Afrique ne connaît pas le mot Cameroun. Soulever les pagnes et les robes pour montrer leurs fesses. Il y a eu également le nouveau. On a eu Andiki. On menace de démissionner de façon collective. À Douala, à Bépanda, il y a un bandit qui est sur la liste des législatives. Et aujourd'hui, les populations se soulèvent de ce côté-là. Et je pense quand même que. Et ça a tellement montré du tollé, je crois qu'on aura l'occasion de voir ça. La avec régie va aller chercher les cartes. Les gens qui sont frustrés, vous les envoyez. Ils ne peuvent pas. Et je dis bien que quand vous voyez ces images, ça nous fait mal au cœur. Il est bon, et je vous dis, ce monsieur, nous avons maintenant enquêté. Il a même changé de nom. C'est un ancien député de la République, Isaac Ngahan, que vous connaissez. Ouais. Aujourd'hui, il a changé de nom, nous avons la preuve. Isaac Ngahan, l'ancien député, voilà. Il a changé de nom. Il s'appelle maintenant Tuku Ngahan. Il n'y a plus le E, le N, il n'y a plus le E. Mais vous imaginez ce genre d'imposture. Et il menace les confrères partout. Je vais te faire la peau. Il a menacé un confrère d'Equinox. Il a menacé un confrère d'une radio Hop à Douala. On va demander cet élément. Suivez bien le langage d'un monsieur qui veut quand même arriver au Parlement du Cameroun, et il dit même que lui, avec ses réseaux, il va arriver à la Cour constitutionnelle. C'est le même Ngahan qui avait payé sa place à 150. C'est ce monsieur. C'est ce monsieur Ngahan, Isaac. J'ai dit, ils sont nombreux comme ça, Charles, tu permets un peu. Ils sont nombreux comme ça dans la République. À Yaoundé, on doit encore voir clair. Dans le Fundi, dans le Mbam, on doit pouvoir voir clair. Parce qu'on ne peut pas continuer à tolérer les impostures du genre où les gens qui financent le parti, qui travaillent pour le parti, ne peuvent pas avoir de la place. Et le comité central doit faire patte blanche. Voilà, le cercueil, c'est un cercueil qui est... Bien sûr, moi je dis... Il a détourné, il a vendu la maison de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Si vous permettez, oui. J'ai un conseil à donner au président Paul Biya. C'est que quand on va publier ces listes, il faut déployer le BIR sur l'étendue du territoire. Parce que les gens attendent des pieds fermes. L'imposture qui sortira du comité central. Je crois que je suis membre suppléant du comité central.
ce comité central-ci. Donc c'est vous qu'on accuse. Est dangereux. Le secrétariat général est dangereux. Les populations de Ngomzap m'ont envoyé dire, j'ai le SMS dans ma voiture, que je répercute au président que, comme Grégoire Onaler dit que c'est lui qui commande Ngomzap, ils ne vont pas voter le RDPC là-bas. Parce que il impose ce qu'il veut. Les populations du Yon et que les disent que, comme on leur a imposé, les dirigeants, ils ne connaissent pas, ils vont voter l'UPC parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Les populations de Banganté, bref, les populations de Magno Division. C'est-à-dire que il faut le dire. Et je voudrais quand même attirer l'attention. Nous autres, à Tebayéné, j'ai souffert dans ma chair du RDPC. On m'a donné des coups de poing. Je fais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, je n'ouvre pas la bouche parce que je présentais les émissions du RDPC. Nous, on a un patrimoine, un héritage. Le voyou qui me demande, excusez-moi, de sortir du RDPC et d'aller créer mon parti. Je revendique un patrimoine dans le RDPC. J'ai 7 livres sur le RDPC. J'ai présenté les émissions du RDPC pendant 10 ans à la télé. Les gens qui aujourd'hui étaient dans l'opposition, qui hier étaient dans l'opposition, ils ont quelles leçons à me donner? Les fils des ministres et des DG qui avaient mon âge, eux, ils étudiaient en France. C'est moi qui présentais les émissions. Une fois à la poste centrale, quelqu'un m'a donné un coup de poing, il a failli me casser la mâchoire. C'est là où le médecin a expliqué que la mâchoire ne se casse pas facilement. Vous comprenez? Voilà ce que nous, on a subi pour le RDPC, que les gens sont en train de torpiller en ce moment. J'ai été inquiet lors du dernier congrès. On a amené tous les francs-maçons du Cameroun, on a mis au secrétariat général du comité central du RDPC. 80%. Et aujourd'hui, le travail de ces francs-maçons est d'imposer à la base leurs fratères. Donc, l'idée de l'investiture était de mettre les amis maçons, les amis rosicruciens, les amis, etc. Il y a aussi des groupes. Des lobbies bizarres. À Yaoundé, Timévouna voulait mettre sa femme, sa première fille. Vous ne pouvez pas comprendre. Et je pose la question, parce qu'on dit souvent que c'est nous qui dénonçons, qui sommes les opposants. Je demande comment ces gens-là soutiennent Paul Biya, comme la corde soutient le pendu. Paul Biya a sorti une circulaire pour dire qu'il faut des équilibres socio-ethniques. Il a sorti une circulaire pour dire qu'il faut que les minorités soient représentées. Il a sorti une circulaire pour dire qu'il faut d'équilibre. Si vous allez à l'Holodorf, il y a 12 villages qui n'ont pas de conseillers municipaux. 16 villages qui n'ont pas de conseillers municipaux, y compris les pygmées. Je sors du congé au village. Les pygmées de l'Holodorf aiguisent les machettes et les lances. Ils disent qu'ils attendent de voir comment eux, qui sont les premiers habitants de l'Holodorf, eux, ils n'auront pas le conseiller de conseiller à la commune de l'Holodorf. En même temps, au moment où je vous parle, les Nations Unies, etc., viennent de signer avec le ministère des Affaires sociales une convention de près d'un milliard de francs pour la prise en compte des minorités, pour la prise en compte des exclus. En même temps, vous enlevez les pygmées. Qu'est-ce que les gens veulent? Quel objectif veut-on atteindre? Comment on rend service à Paul Biya? Quand Paul Biya sort une circulaire, il dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Vous faites autre chose. Comment vous rendez service à Paul Biya? Vous avez vu comment Elekam. J'attends de voir Elekam. Je veux parler pour la première fois d'Elekam. Je veux voir comment Elekam va traiter ses listes. Sans tenir compte des équilibres, parce que le Cameroun est bâti sur les équilibres. Tout le travail que Paul Biya a fait, que le président Ayidjo a fait avant lui, c'était pour garder les équilibres. On a rejeté la liste de Ndamjoya au sénatorial en disant qu'il n'a mis que les Bamoun. Mais les gens du RDPC ont fait pire, parce que Ndamjoya a mis les Bamoun, et c'est une région vaste. Mais les gens au RDPC ont mis leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Donc Ndongo Touré était hors du Cameroun. Il appelle au téléphone. J'ai suivi une conversation téléphonique entre lui et un sénateur. Il dit au sénateur, monsieur le sénateur, je te rappelle que je suis hors du pays, mais je t'appelle pour te dire que ma femme est candidate à la pour être conseiller. Je souhaite qu'elle soit maire de l'IPD. Le conseiller... Le sénateur lui demande, mais monsieur le ministre, vous êtes quand même ministre. Il dit non, il y aura un remaniement en août. Si on m'enlève, il faut quand même que ma femme reste. Ça, c'est une conversation téléphonique. Mais écoutez, on a nos doigts. Il est DGA de la SNI depuis plus de 20 ans. Il se bat pour.
pour que sa femme soit députée. Ma question est simple. Nous, les autres Camerounais, on est nés pour venir les accompagner. Comment on va faire? Là, il y a tellement de choses à on dire. On ne peut pas tolérer. Oui. C'est ça la conclusion. Que ces gens sachent que le retour de l'affaire sera dramatique pour eux. Est-ce que vous avez déjà vu les fins de règne, les fins de régime? Mais beaucoup vont fuir parce que, à force de vouloir, vous savez ce que c'est que la révolution dans un pays, c'est l'accumulation des frustrations. À force d'amener les Camerounais à se frustrer, et ceux du village, et les pygmées, vous savez, et les pygmées ne sont pas agressifs. Les pygmées sont agréants, accueillants. Mais je vous dis que les pygmées de l'Holodomor, voici le mémorandum des pygmées de l'Holodomor. Vous voyez, ils écrivent déjà français pour dire qu'il faut qu'on leur explique s'ils sont Camerounais ou pas. Il faut qu'on leur explique s'il y a un lien entre les discours qu'on fait souvent sur les minorités et la réalité sur le terrain. C'est donc, daté du 22 juillet. Mais bien sûr. Non prise en compte des minorités dans la liste des PC des bien sûr. Et s'il y a une liste qui doit être rejetée, la liste de l'Holodomor doit être rejetée. Je dis et je le répète, si vous publiez cette liste en l'état, avec près de 16 villages qui n'ont pas de conseils municipaux. Vous savez, le département de l'Océan, c'est un département qui a près de 15 ethnies. Les Boulou, les Fang, les Batanga, les Banor, les Bakoko, ainsi de suite. 16. Et chacun veut être représenté dans l'affaire. Ce qui est quand vous excluez d'autres, à Kribi Premier, je suis par là, je vous donne les échos du terrain, pour qu'on ne philosophe pas. À Kribi Premier, il y a 19 Batanga et 7 Mabi. Sur la liste. Sur la liste. Voilà les deux communautés qui forment le conseil municipal de Kribi Premier. Les gens marchent au moment où je te parle à Kribi et menacent de démissionner de façon collective. Grégoire Mbamba a dû tenir une réunion hier et je ne suis pas sûr qu'il a réussi ou qu'il va réussir. Pourquoi on veut créer les problèmes à Paul Biya? Pourquoi on veut créer des problèmes au RDPC? Comment est-on militant? Comment nous autres, nous sommes des opposants? Alors que nous demandons juste une chose, qu'on respecte les inscriptions et les prescriptions du président Paul Biya. C'est République. Ça un peu qui aujourd'hui est un grand problème dans notre pays. Et nous sommes à un micron de la guerre. De on va parler jusque-là. Je vous explique, c'est pas moi qui prends le décret de la guerre. On n'ira pas jusque-là. Ce n'est pas moi qui prends le décret de la guerre. Et il n'y a personne qui prend le décret de la guerre. En 2018, les gens avaient faim. Ils ont dit trop, c'est trop, ils sont allés 2008. Dans la rue, en 2008. Donc, quand on dit ça, c'est pour attirer l'attention. Quand on dit ça, c'est pour que les gens à la base sentent que on porte leur... J'ai reçu près de 1200 SMS du pays. « Ateba, voici ce quoi-là, comment ça s'est passé chez nous, etc. » J'ai le certificat de nationalité de Mme Courtès ici. Je ne suis jamais allé en France. Voici ça. Je ne dois pas se présenter. Vous comprenez? Les documents que j'ai, aucun Camerounais n'a ça. Voici le certificat de nationalité de Mme Courtès. Ce sont ses adversaires à Bangante qui sont allés prendre ce certificat de nationalité pour dire quoi? Pour dire que voici ce que dit la loi. La loi dit que la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité camerounaise à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, ou qu'elle demande. Or, voici la demande de nationalité de Mme Courtès. Copie d'acte de naissance. Vous comprenez ce que je vous dis? D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont fâchés et les gens sont prêts à tout. Là-dedans, vous avez des gens en Gora. Voici la citation directe pour assassinat du monsieur. Faut laisser qu'on zoome. Du monsieur qui a. Qui est investi comme tête de liste. Je vous dis que c'est sérieux. Quand d'accord. Je parle, je suis professeur de parole. C'est la parole que j'enseigne à l'université. Je sais ce qu'on encourt en disant des choses qui ne tiennent pas. C'est pour ça que quand quelque chose sort de ma bouche, je l'ai sous-pesé. Mon rôle à moi est d'attirer l'attention du président de la République, d'attirer l'attention de nos dirigeants sur des mauvaises choses qui peuvent arriver à notre pays. C'est ça mon rôle. Et je le joue à fond en tant que patriote parce que je suis au service non des individus, non du parti. Le RDPC, c'est quoi? Le RDPC va finir, le Cameroun va rester. Nous devons travailler. On est obligé. C'est tellement intéressant, mais on est obligé de s'arrêter là.
Il ne me reste qu'à dire merci hein, à tous les invités en rappelant que l'ouvrage hein, de Charles Atebeyene, Crimes rituels, loges, sectes, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, est en vente hein, à 10 000 francs. Donc il faut dire tout simplement qu'on peut le retrouver dans les librairies, notamment Clé, Peuple Noir, Saint-Paul à Yaoundé, à partir du lundi 29 juillet 2013. Au prix de 10 000 francs, si vous voulez donc être éclairé. Et ce livre a été préfacé par le professeur Claude Abbé, qui est sociologue, et également par le docteur Paul Abouna, qui est anthropologue. Juste un mot, parce que là, on est parti. Hein, merci, un mot. On va être rigoureux, juste un mot, oui. Un mot pour dire merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est la première fois que je viens, mais je regarde beaucoup votre télévision. Merci. Qui fait un travail important en ce qui concerne les informations, l'implication des Camerounais à participer à la construction du Cameroun. J'ai écrit ce livre pour nous ramener au débat de chez nous, au vrai débat. Pas de fuite en avant. Je vous dis qu'actuellement, il y a plus de bars à Yaoundé. Il y a 3 km de bars entre Essos et Omnisport. La question c'est, nous voulons être émergents. Est-ce que en développant l'industrie de l'ambiance dans nos quartiers, on crée une boîte de nuit chaque 24 heures? Comment on va s'en sortir? Est-ce qu'on peut développer le Cameroun avec des gens sous? J'ai écrit ce livre pour montrer le lien qu'il y a entre les crimes rituels. Tout à l'heure, quand on parlait de corruption, on n'a pas dit assez que les crimes rituels, c'est beaucoup plus les politiques, parce qu'ils pensent que en enterrant les chats, en vendant, etc. J'ai écrit ce livre également pour montrer que le Cameroun a presque la même réputation que la Colombie aujourd'hui en matière de drogue. C'est-à-dire que, ça c'est les statistiques au niveau international. Nous sommes devenus une plaque tournante importante de la drogue. Et le lien c'est quoi? Avant de tuer, on consomme l'alcool. Avant de tuer, on se drogue. Et la question au président Paul Biya est de savoir, monsieur le président, en tant que président de la République, comment est-ce que vous appréciez votre règne au plan social? On tue les gens, on enlève les vagins. Vous voyez, il y a une cinquantaine de photos ici. Des photos importantes. Sur les crimes rituels. Mais bien sûr, okay. Pour montrer que nous ne sommes pas dans la fiction. Donc j'invite les Camerounais à acheter ce livre. J'invite les Camerounais à lire cet ouvrage parce qu'il vous permet, il nous permet de tirer les leçons des crimes rituels qui ne sont pas le simple problème du Cameroun. Il y a eu des crimes rituels dans l'histoire, il y a eu les crimes rituels au Kosovo, je raconte un peu les circonstances, il y a eu des crimes rituels en Angleterre, il y a eu des crimes rituels au Gabon. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Gabon, par exemple? On a créé des coalitions pour lutter contre les crimes rituels. On a informé les gens, on a informé les jeunes, l'Église s'est impliquée, les hommes politiques se sont impliqués, parce que je suis pas là, il ne faut pas attendre que la justice rende quelque justice que ce soit en ce qui concerne les crimes rituels. Parce que c'est des gens liés, c'est des gens qui se tiennent, c'est des gens... Donc, dès qu'on a tué quelqu'un, si vous entendez qu'il faut une enquête, l'enquête n'aboutira jamais. Parce qu'un vin a été tué en 1996. Tout son cerveau a été enlevé. C'est un indice de crime rituel. On a engagé les enquêtes. Où en sommes-nous? Il y a un avocat à Douala et Pagna qui a perdu ses deux filles. C'était les crimes rituels. Je vous assure, et Paya m'avait appelé à Douala pour l'accompagner dans sa conférence, dans ses conférences. Il n'arrive pas à faire que le problème passe au tribunal. Parce que... Mesdames, Messieurs, voilà tout ce qu'on a pu faire pour vous. Tous les sujets qui ont été évoqués par nos panélistes, à qui je dis merci. Merci donc à Charles Atebeyene, merci à François Bikoro, Ndiama Joseph Marie-Fils, merci. On n'oublie pas de remercier également Joseph Atangana Zanga. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas, cette émission est en rediffusion tous les dimanches à partir de 11h. Nous serons de retour samedi prochain, si Dieu le veut bien, pour une autre édition du Club de la Presse. Au nom de toute l'équipe technique, on vous dit merci. Merci de votre aimable attention. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Au revoir.